avec un full RP. Ah bah voilà, bah si tu m'entends plus, c'est génial. Vous m'entendez là, c'est bon. Merci OBS comme d'habitude. Donc merci, je disais bonjour à tous, merci d'être présents. Bienvenue aux followers de cet après-midi. Orientation du serveur vers un serious RP. Donc aussi bien du côté rebelle que policier. Tout simplement. Oh, il nous gueule dans les oreilles, ceux-là. Donc voilà. Ouais, c'est OBS. Désolé, Benjamin. Merci à tous d'être présents. Merci de votre fidélité, encore une fois, de ce soir. Vous êtes encore très nombreux. On va approcher des 400 followers. Donc voilà. Poussez, followez, abonnez-vous sur YouTube pour revoir les gameplays et les lives. Venez nous rejoindre sur Discord pour faire du LOL, du R6, du Apex ou tout ce que vous voulez. T'abuses pas, il est coupé les cheveux cet après-midi. Voilà, exactement. Allez, bisous à tous. Bon live à vous. Profitez-en. Partagez, faites-vous plaisir, marrez-vous, faites vibrer le chat, c'est l'essentiel. Allez, bon live. Quelqu'un peut réparer mes voitures aussi au passage. Alors, qu'est-ce qui me manque là-dedans? Des pansements, des chargeurs. Ça va. C'est que je suis ultra blessé, du coup je peux rien faire. Vous êtes trois à le faire, merci. Bah la quatrième elle est pas dégonflée. Il me faut encore des soins, hein. Va falloir appeler un médic. Ouais mais ça fait bien longtemps ça. Putain, c'est dingue ça quand même. Hein. Il va falloir appeler un médic, les médics. C'est dingue. Et le doc pour qu'il appelle les médics, il fasse une thème. On est en train de... C'est dingue. Il a encore un truc. Sur tes jambes? Oui. Pardon? Le chapeau. C'est pas toi le bleu foncé. C'est Jeff. Ah. Moi je suis le bleu PD et rouge c'est le PD. Monde. Salut. Toi t'avais pas le blanc. Respect mon colonel. J'avais un blanc à l'époque. Salut fiston, ça va? Ah ouais, t'es blanc. Ah bon. Ça commence fort, merci Mac pour tes cheers. Merci beaucoup, 25 team là pas en force. Oh merde. Salut fiston, ça va Alder? Ouais, tranquille. T'es lassé, c'est ouvert. Ah non, j'ai plus de flash blanc par contre. Je vais prendre un red blanc. Bon, allez, Tarlouse, allez, c'est parti là contre le mur. Tarde de je peux me stuff et j'arrive. Manteau de cul. Manteau de cul. Ah, ils arrivent. C'est beau mon béret. Allez, rassemblement là, contre le mur, tous, maintenant. Ouh. Tout de suite, go. Run. Respect mon lieutenant. Oh, les gars, fast. N'oublie pas, Cobra qu'est-ce... là-bas. Va... Qu'est-ce que c'est bon d'être colonel quand même. Oh là là, merci Jackson, merci Jackson. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Tout le monde, Dédé. Vite. De quoi? Tout le monde! Tout le monde! Oui, ouais. Yes, on va passer à du dent. Pas. J'arrive. Voilà, super. Pas certain. J'ai pris de lance-grenade du vide. Passe une ligne. Non, Mike recule, toi. C'est bon, on est bien. Collez-vous. Bah, attendez, je vous allez. Bougez-vous à droite. Vas-y, attends, bougez plus. Écoutez, voilà, c'est bon. Voilà, c'est... Oh, c'est pas faire recul, Antoine. Droite. On peut te mettre pas le dos droit. Mais ouais, mets le dos droit aussi au passage. On se met comme ça. Il est trop droit là. Voilà. Le mec. Bon, y'a pas de CPA ce soir là. Recule un peu, le blanc. Bah, si on est là. Deux, ok. Encore un peu. Bon. C'est bon. Il manque un mec là-bas. Bon, effectif Viper, s'il vous plaît, le nombre de recrues dans Viper. Deux. En totalité deux recrues. Combien de brigadiers? Je fais de bêtises. Zéro. Zéro, je crois. Zéro brigadier? Il y en a deux. Kali. Il y en a deux brigadiers, il y a Jora normalement. On okay. A deux brigadiers, Dylan et Kali. Donc deux et plus deux, ça fait quatre. Combien d'adjudants? D'adjudants, on en a trois. 3 adjudants. Ok. Ngolo, tu passes adjudant. Quoi? Bravo! Bah oui, j'ai deux brigadiers et deux recrues, les gars. C'est logique. Donc il me faut. Eh ben, brigadier chef, ouais. Moi, un adjudant, c'est quelqu'un qui est compétent. Donc vous en avez 3. Donc vous avez deux brigadiers et deux recrues, ça fait 4. Pour faire 4 patrouilles, il faut 4 adjudants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite,
Sierra, vous êtes combien? Voilà, problème réglé tout. Total des effectifs 10, 4 en prison, en vous. Ok, vous c'est bon. CPA, vous êtes. Comment ça se passe dans CPA là? Pour l'instant, on est 8. J'ai une recrue, un brigadier et un adjudant. Deux adjudants, 3 adjudants. Ouais, c'est chaud quoi. Bah, ça va. Non, au niveau effectif. Ça va? Ok, ça marche. Alors, je réexplique pour ceux qui n'ont pas compris en fait. Les adjudants, c'est des policiers qui sont confirmés. Donc, si vous êtes 3 confirmés et en dessous, vous êtes 2 recrues, 2 brigadiers et 3 brigadiers chefs, il y a un problème. Pour faire des patrouilles. C'est pour ça que je monte N'Golo adjudant. Comme ça, chaque adjudant peut être chef de patrouille. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais là, voilà. Du coup, ça voudrait dire que si moi j'étais pas là, il y aurait eu 2 brigadiers chefs qui seraient passés à adjudant. Non, un seul. Parce que vous êtes déjà 3 adjudants dans Viper. Parle de ton effectif total. Dans comment? Alors, nous, on est 3 recrues, 3 brigadiers, 3 brigadiers chefs, 3 adjudants et moi en adjudant chef. Combien de brigadiers? 3. Combien de recrues? 3. 3 recrues, 3 brigadiers? Ouais, 3 recrues, 3 brigadiers, 3 brigadiers chefs, 3 adjudants. Un BD? Alors, 2 secondes. Et tu me le ramènes tout de suite, hein. Quoi? Non, mais attends, je reviens. Ouais, vas-y. Parce que nous, on a aussi un adjudant chef, hein. Mais on s'en fout de l'adjudant chef. T'as pas compris, en fait. Non, mais ouais, il a rien compris. Donc, vous avez combien de recrues, Aldir? 3 recrues, combien de brigadiers? 3. Non, 4, j'en vois déjà. Non, 3. Non, 3. 3 plus 3, ça fait 6. Combien d'adjudants? 3. Ça fait 3. Combien de brigadiers chefs? 3. Donc, ça... La règle de 3, on l'adore. Ok. Et toi, adjudant chef? 1. Yep. Ok, c'est bon. Bon, ok. Alors, le problème que j'ai, c'est que c'est pas une. Alors, faut comprendre que la police n'est pas une course au grade, les gars. La police, c'est une organisation dans les grades. Quand j'ai des brigadiers, une recrue, quand elle est confirmée recrue, ça veut dire qu'elle a des capacités d'être dans la police, elle passe brigadier. D'accord ? Une fois qu'elle est brigadier, elle va commencer à apprendre son métier de policier. Et peut-être devenir des futurs gradés. Donc, du coup. Les brigadiers chefs, c'est des policiers qui ont déjà des connaissances, certes, mais pas encore suffisamment estimés d'être chef de patrouille. Alors, lorsqu'un élément est forcément bon et peut être chef d'une patrouille, comme N'Dogo, d'accord ? N'Dogo, pour moi, est suffisamment ancien dans la police et a suffisamment d'expérience pour passer adjudant, étant donné qu'il en manque un dans Viper. Vous voyez ce que je veux dire, Bellic ? Voilà. Ouais, okay. Prenez cette information, les chefs d'escouade, très à cœur, parce que moi, je surveille ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, dans Syrah, par exemple, je vois pas l'utilité d'avoir deux majors. Moi, j'ai qu'un major. D'accord ? C'est un adjudant, un chef de patrouille. Voilà, un brigadier chef, un adjoint de patrouille, un brigadier, une recrue, un policier en cours d'acquisition. Un adjudant chef commande les adjudants. C'est aussi simple que ça. Et le major... Ben c'est celui qui ramasse si ça se passe mal dans l'unité. Qui est commandé par un officier. Voilà, vous avez compris? Oui. Voilà. Voilà. Bon, autre chose. Je suis fier de vous, de votre façon de travailler depuis notre réunion. Voilà. C'est comme ça que je veux voir la police. Je veux voir une police respectable, une police qui répond aux attaques et surtout qui défend ses citoyens. C'est ça la police, l'image d'une bonne police. On ne répond pas. On répond aux attaques, mais on répond pas à l'agressivité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, mon colonel. Allez, c'est parti. C'est parti. Allons son vent latin. Allez, c'est parti. Alors, toi, tu veux... N'Golo, viens avec moi. Non. Tu t'occupes, Odor, de Go? Bah ouais, du coup, ouais, je vais faire. Mon colonel? Ouais. Et tu le mets par rapport à jeudi, hein. Ouais. Mais Dédé, ah ouais, mais moi, je peux... Ouais, ok, faut que je passe sur le site, du coup. Spinner, il va vite. Par rapport à jeudi, mais comment... Ma jolie voiture, c'est là. Ouais, quoi? Là, ça pour... Ok, Kyle Omer. Les... Bonjour, pardon. Faire formateur tactique. Kyle Omer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Iva. Voilà, préféré. Je vous ai dit bonjour tout à l'heure, mon colonel, mais bon, vous étiez un peu. Ouais, ouais. Bonjour, mon colonel préféré. Okay. Ça change pas, ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
C'était pour voir si je peux faire formateur tactique. Bah ouais, t'es dans quelle unité? Sniper. A priori, il en manquerait. Il y en a combien? Zéro, a priori. Il y en a combien? Comment? Il y en a zéro? A priori, bah, je crois qu'il y en a un ou zéro. Parce que justement, j'ai vu avec Follen et j'ai demandé. Et Follen, il m'a dit, de toute façon, il en manque. Il en manque donc, attends. On va voir ça avec Coca et après, on verra. Ouais. Et ça mais respect, colonel. Préféré. Enfin, je voulais juste te dire non. Colonel préféré. Mon colonel préféré, bah oui, ouais. Le plus beau. En fait, tu veux, en fait, c'est Okai parce qu'il voulait pas. Oui, je sais, je sais. C'est pour ça que je prends les devants, en fait. Okai a très bien fait, il n'y a pas de souci. Mais dans l'organisation, je vais lui expliquer, parce que c'est mon rôle aussi de lui expliquer pourquoi il faut réfléchir comme ça. Le souci en fait c'est que dans Viper, vu qu'on a eu une grosse vague de recrutement, il fallait attendre en fait avant de faire ça. Que, du coup, ça mais moi j'attends pas en fait, c'est ça qu'en fait vous avez pas compris, c'est que moi j'attends pas en fait. Bah mais du coup en fait pour Okai... Bah là, et eh ben là oui, mais là, mais Okai il a très bien fait, je reprends pas son travail, j'améliore juste son travail en fait. C'est ça que vous avez pas compris. Non mais en fait. Oui, non mais je comprends tout à fait. En fait, il a le même point de vue que toi par rapport à ce que. Ah bah voilà. Donc moi j'ai agi. En fait, Douglas n'était pas encore prêt. Bah ouais, mais moi je vous dis qu'il est prêt. Voilà. Okay. Donc maintenant vous faites 4 patrouilles. Ouais, bien sûr. Il y a des deux. Ouais. Non, tu mets pas des adjudants partout. Tu mets un adjudant par voiture. Oui, bah oui, bien sûr. Ah oui. Bah en fait, on vient de mettre des deux. Ouais. Allez, c'est parti. Vous allez où là, ta bagnole? Alors, on s'est fait. Vous avez une voiture ou pas? Ouais, là-bas, moi. Mais du coup, je suis avec Jeff et tout. Allez, va. Bon, et moi, je monte avec qui alors, du coup? Je monte avec Bibi, d'abord. Sinon, je te prends dans ma voiture. Et Jeff? Dans ma voiture, du coup, parce qu'elle est déjà garée là-bas. On les sirènes, passez canal ship. Oh, je monte avec qui, moi, là, du coup? Ouais. Les gars, Bibi, Dédé, c'est qui Bibi là? Oh putain, c'est qui lui encore? T'as un sniper? Non, mais si vous voulez, je peux aller vous en chercher un. Bah, si, y'en a un dans la voiture. Y'en a un dans la caisse? Bah, oui. Bah, il me faut juste un RPS. Ah, bah, j'en ai un sur moi. Ah, bah, voilà, tu le mets dans la voiture. Hop. Coucou, bonjour tout le monde, j'avais en coupé le chat. Ça va et toi, Adrien? Bienvenue à tout le monde que j'ai pas vu. Mon chat a disparu du téléphone, mon fils en avait besoin. Ok. Hein? Ah, Carielo, c'est vrai. Bienvenue. Ok, il y en a un deuxième là. Je comprends pas là. Attends, il y a un problème. Pardon? Il y a un souci là. Souci? Ouais, il y a un souci là. Place de Kavala et il menace de nous braquer et tout quand on sortira de Kavala. Ok, c'est pas avec lui qu'il faut voir, vous voyez que j'ai une unité. Au revoir. Oula, on sort les courants. C'est la Dupuis ça. Canal 3, fais marche arrière, rentre. Du coup, tous les vapeurs devaient être canal 2 et 1 en même temps, du coup. Vas-y, il y a les armes qui se duplient. Vas-y. Recule. Ouais. Va dans le garage. C'est quoi Dupuis là? Merde, non. C'est le kéké qui colle, t'as la bonne qui fait le. J'en parle mieux, bonhomme. Je vois pas d'arme qui se duplie. Bah, moi oui. Elle est où l'autre arme? Quoi, y'a M320 encore là dedans? Attends. Là, c'est bon. Bah, parfait. Salut les amis. On est parti. Attends, mais là j'ai plus d'armes moi. Merde. Bah oui. Et ils sont dedans non? Non, j'ai plus d'armes. Je les vois dedans. Non. Bah t'as la HK? Merci. Ouais. T'as la HK? J'en vois une dedans, HK et M200. Bah pas moi. Allez, vas-y, sors là, la HK et pose-la par terre. Hop, voilà, elle est là. Pose-la par terre? C'est la mienne en fait. Non, j'ai pas de beaucoup de trucs. Ah, tu la vois plus? Ah, bah non, je la vois pas. Ouais, non. Hein? Le M200, hein, c'est ouais, la M200, oui. Et du coup, oui. J'ai perdu. J'ai de l'air, on s'en fout. Alors, ça, on s'en fout.
Non mais j'ai des chargeurs, j'ai des chargeurs. Tiens. Attends, attends. Oh là, du puits de dingue. Oh la dupli les gars. Oh, j'ai fait la dupli. Trouver une méthode. C'est pas bien. Ah oh, j'ai fait la dupli. T'as dupli. Bon ok. Enfin gaffe à ça. Mef, mef, mef. Pas bon ça. Hein. Allez écoute. HK, 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 HK. J'ai dit que j'étais chargeur en bas, sinon. Ah ouais, ouais, vas-y, vas-y. C'est pas ça, je voulais une AMS, j'ai perdu. Ah. Allez, gaz. Mais dans la voiture. Même au chapeau, j'ai pu. Il est par terre, non? Putain. Il y a des chargeurs dans la voiture, donc c'est HK. Hop. Hop. Allez, on se casse. Est-ce que c'est bon là? 1, 2. Ouais. Normalement tu peux pas prendre je crois les armes dans un véhicule quand on roule. Même par logique. Ok c'est bon. Allez mais on est parti. Let's go. Ils sont partis. Allez, canette 6. Ah, j'ai un problème là de tête. Bah moi aussi. Bien. Oh des problèmes ça. Ouh. Oh 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 oh. Qu'est-ce que c'est? Faire le tour, non? Ah ouais, on va faire le tour. Ok. Il est. D'accord. C'est vrai qu'ils foutent la merde en fait. Bon, allez, on se casse! Fuite de gaz! Ah, d'accord! Ah oui, mais c'est pour ça, c'est à cause de. C'est à cause d'eux qu'ils foutent la merde. Putain, mais oui! C'est trop simple. Ah là là. Là, je me disais aussi, waouh, c'est puissant aujourd'hui. Mmh. Derrière les. Non, merci! J'ai perdu le chargeur de mon téléphone. Merde. Bon. Pour charger parce que sinon dans le chat il vous voit pas. Hop. Hop. Merde. Oui, c'est oui. Bon. C'est bon. Je suis prêt. Désolé les gars. Désolé. Bonjour tout le monde. Direction Negadef, hein, Dédé. Oui, bah faites le tour quoi. Allez. Comme d'hab. Sont encore à la BA les flics là? Ouais. Oui, oui, oui. Parce que mon petit Sokai est sur le live. Parce que mon petit Okai est sur le live. Oui, non, non, oui. Non, il est pas là. Okai. Ouais, Raza. Raze. Voilà. Alors, on a eu un petit problème avec votre. Ah oui. Merci Matt hein, pour les bits, je sais pas si je t'ai dit merci. Mais merci beaucoup. Ouais, quand on est en civil les gars, on est le gang des Schtroumpfs, t'as un chapeau de couleur, hein, n'oubliez pas. Toujours, toujours. Je vais te faire faucher une fille. Vous avez mis ça en place hier, Dédé? Ouais. Quoi? J'ai dit vous avez mis ça en place hier, les bérets et tout ça. Ouais. Affi.
T'as pas de chance ce soir. On va schtroumpfer les rebelles et surtout vous enlevez vos putains de gilets pare-balles aussi. Ah, c'est déjà fait. On pose les armes ou quoi ? Nickel. Et les armes dans votre sac. Et vos armes dans vos sacs, pardon. Pourquoi ta radio elle a augmenté le... Parce que j'ai crié dedans. Dit armé près de la DC. Ah ! Hein ? Par contre, il y a marqué bandit armé près de la DC. Ah bah voilà, allons-y. Oui. Bon, l'appel téléphonique est pour nous, les gars. C'est parti pour les schtroumpfs. On va pas aller directement sur Megadeth ou si. Tu m'as fini les clés. Il est où, ils sont où les bandits? Près de la DC, on vient de passer devant donc possible qu'ils soient partis direct sur Megadeth. Monte sur la colline. Ah, il y avait un VL qui était cassé, mais il y avait personne à côté, donc c'est pas suite. Ok, on monte sur la colline, on prend un visé sur Megadeth. Voilà, parfait. Parfait ça. N'oublie pas de me donner les clés. Ah, hein. Oh, pardon. Bah oui. T'as reçu là ? Ouais, c'est bon. Alors, reste une égradée, ça. Bah, il parlait pour Cyril. Nous, regarde en face de la DC, voir si on veut pas. Allez, écoute. Est-ce que vous avez eu, du coup, quelque chose de bizarre au niveau du véhicule là, qui a été annoncé au niveau de la DC? De Cyril, rien d'anormal pour. Non, si, dans la Mercedes. Dans la Mercedes. Dans la Mercedes. Ok, c'est bien reçu, merci beaucoup. Dans la Merco. Bah, il y a deux packs dedans. Un avec une perruque. Correction de Cyralide, dans une Mercedes, il y a deux packs. Ah, donc de Jeff, c'est possiblement, vu que c'est une ML, là, apparemment, c'est possiblement le truc qui était cassé à côté. Ah, fils, c'est ça. Est-ce que vous pourrez avoir besoin d'aide? Non. Pourquoi pas, enfin. Non, de Cyralide, merci. Allez, on va faire les schtroumpfs discussion. Où exactement? Sur le véhicule, on va sur le véhicule qui est stationné devant la DC là. On va faire une schtroumpf discussion. Bien reçu, partie 2. Bien reçu, une schtroumpf gourmand. J'espère que t'avaleras le grand schtroumpf. Ah bah là, je vais schtroumpfer un pote. On a schtroumpfé le véhicule. Allez. Tellement gourmand que j'ai bouffé le panneau. Pas par la bite. Ouais. Vous voulez dire votre schtroumpf ou le gros schtroumpf? Mon arme. Oh putain. Il manque si on Bon, le véhicule va bouger, les gars. Où le véhicule là? Il est toujours là. Affi, affi, on se dépêche, ouais. On se dépêche, je schtroumpfe le véhicule. Allez, hop. Coucou Adrien, comment ça va? Les gars, il y a une équipe qui peut me récupérer? Elle est là, il se barre. Je trouve que tu as un véhicule et viens sur nous au pire. Bah, je suis en hélico. Vas-y. Ah bah, pose et sort un véhicule. Il y a un héliport. Lui l'ami. Eh hey, excuse-moi. Excuse-moi. Allô. Allô. Ouais. Allô. T'es en train de dégrader mon terrain là en fait. Quel terrain? Bah, c'est la terrain de mon grand-père que j'ai eu en héritage. J'étais en train de rouler dessus là. Ta voiture est trop bien. Aucun panneau avec marqué pompier déprimé.
Bah, t'es con ou tu fais exprès? Tu vois pas le panneau qui est derrière toi là? Il y a marqué propriété privée, interdiction de circuler, verboten, Achtung. Je ne parle pas allemand. Derrière toi. Écoute, ton schtroumpf car, faut la bouger à un moment donné. Donc, c'est soit tu me rembourses le labourage que t'as fait avec ta bagnole, soit, je suis obligé d'aller voir les flics, moi. Tu peux porter plainte, moi je ne vois aucun panneau. Emmène-moi au panneau alors. Eh ben, sors de ta voiture. Sors de ta voiture. Sors de ta voiture. Pourquoi vous nous prenez la tête? Sors de ta voiture. Et je t'emmène au panneau, allez. Sors de ta voiture. Sors de... Ah, viens ici. Viens ici, bordel de merde. Viens ici, regarde le panneau, bordel. Reviens, Léon. Reviens. Léon, reviens. Reviens, Léon. Reviens, Léon. Je suis obligé... Je vais me fâcher, Léon. Je vais me fâcher, Léon. Attends, attends, pour approcher. Je reste caché dans le buisson. Oh ! Pas de takedown, les gars. Non, non, c'est pas volontaire. Bah, allez, on chope. De Gambino à Odo. Appelle-moi ma voiture, que l'on trouve. Allez, on chope. On a Scott qui vole. Pourquoi t'as une arme dans le dos, toi ? Parce que je viens d'arriver. Bah allez, chopez-moi le là, allez foncer les gars là. Allez, on chope. À droite. Parti. Sur le main. Main. Non, à gauche. Derrière toi. Allez les gars, chopez-moi le bordel de merde, je veux des thunes là. Ah, on va essayer de le RC hein. Hé hey Léon, reviens bordel! Arrête-toi Léon! Arrête-toi Léon! Je vais mettre une! Je connais ce véhicule. Hein. Oh, t'as cassé, c'est con! Allez, donne-moi la voiture! Hé! Hey Léon, reviens! Pourquoi ils veulent pas s'arrêter? Reviens Léon! Vladimir! Reviens! Reviens Vladimir! C'est Vladimir? Vladimir! 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 Allez, arrête-toi, mon terrain, bordel! Il est en train de me niquer mon terrain, bordel de merde! Faut de ma gueule ou quoi, là? T'as le terrain de mon grand-père, con! Je vais me fâcher, Vladimir! Arrête-toi! Bon, à toutes les unités, à la BK. Je fasse un appel. À tous de DD! Ouais, bah bouge pas, allez, mets le gyro. Allez, on met position, c'est parti, on les arrête. On s'équipe ? Ouais. On est équipé. Bon, allez, on rigole plus, la police d'alerte. Oh putain ! Code noir. Ça va ? Interpelle-moi, allez, putain. Attrape-moi ça. Sur la tête, dépêche-toi, main sur la tête. Putain. Trop de fois, toi, là, derrière la tête. Au sol. Allez, descends du véhicule, toi aussi, descends du véhicule. Deux secondes, je déverrouille. Y'a pas besoin de déverrouiller là, allez Vladimir, putain, hop, tatane. Descends de suite là, descendez, sortez de force là. Allez, descends. Le muscle, pour les mains sur la tête. Dis-lui le muscle, il vient d'arriver aujourd'hui. Ouais, bah ça tombe bien. Allez, shift L, pense à shift L. Voilà. Allez. Bon, Vladimir, je te l'ai dit que j'allais me fâcher, bordel. Et alors, tu devais annoncer en tant que gendarme, tu m'as... Je suis pas gendarme, déjà pas encore ça, m'en fous. On est dans un état de l'arrestation pour dégradation le terrain de mon grand-père. J'aimerais bien voir le panneau. Bah, y a pas de panneau, mec, ici c'est pas toi qui fais les lois, c'est moi. Et alors, où il est montré le panneau? Bon allez, toi aussi. Hop là. C'est terminé. Arrêtez. Bon, qu'est-ce que t'as déclaré, mon petit Vladimir? Qu'est-ce que tu fais à côté d'une entreprise? Et alors, je suis en train de louer, il faudra m'expliquer ce que j'ai fait de mal. Je me suis garé ici. Ah ouais? T'es sûr que tu veux pas braquer l'entreprise? Oui, bien sûr, braquer l'entreprise en étant civil, bien sûr, avec comme arme un ML.
Eh bah pourquoi alors tu veux pas t'arrêter quand on te dit de t'arrêter? Pourquoi tu pars? Moi je vois quoi 5 personnes. Ouais, et on ne sait pas s'ils sont civils, on ne sait pas s'ils sont rebelles, on ne sait pas s'ils sont flics. Ils viennent autour de moi, ils encerclent la voiture et ils me soldent un motif bidon. Bah, ouais. Bah, ouais. Qu'est-ce que tu fais à ma place? Eh ben en fait, toi, je sors, je discute parce que, en fait, comme ils sont 5 et c'est peut-être des rebelles, ils vont peut-être te tirer dessus. Voilà. Donc tu préfères te barrer. Oui, donc je me barre. Je me barre. Eh ben tu risques ta vie en fait. C'est zéro en fait. C'est zéro, tu risques ta vie, Vladimir. En tant que policier. Mais je suis pas. Eh hey, oh, moi tu me parles autrement déjà. Allez, passe-moi ta pièce d'identité. Passe-moi ta pièce d'identité. Lève-toi. Merci. Par contre, si tu cours, je t'abats. Non. On n'a pas personne. Allez, moi ta carte d'identité, putain. Mais on n'est pas policier déjà pour commencer. On a vos. Vladimir. Bon. La carte. Vladimir Tokarev, ok, et toi, vas-y, donne ta carte, donne ta pièce. Explique-lui juste le muscle, il vient d'arriver, lui. Bah, c'est ton copain, non? Ouais, bah, si tu me permets de lui expliquer. Ah, bah, explique. Le muscle Windows en direction du zizi de monsieur. Et ensuite, il y aura une section carte d'identité. Tu parles pas, toi? Tu parles pas, toi? Il a du mal. Bah, comment on fait, Vladimir, sous le terrain de mon grand-père, là? Ah bah écoute, pour l'instant je vois aucun panneau de... Arrête de me parler de panneaux. Je l'ai vu, on est vraiment désolé. Bon, comment je fais là? Explique-moi comment je fais. Ah bah je sais pas quoi dire, pourquoi tu sors le katana toi? Le coupe les cheveux, grand pompe. Non, comment ça ira, c'est pépé. Pourquoi? Comment? Regarde comment t'as niqué le terrain de mon grand-père. Sans déconner. Si c'était le terrain de ton grand-père, je l'avais pas niqué, non? Putain, t'as des routes, t'es à côté d'une entreprise et tu leur fais peur en plus. T'as des cheveux longs et lui il a des JVN sur la tête. Moi je pense à des terroristes. Oh, non, pas trop, non? Bah si. J'ai pas trop la clash. Il y a un Nelcat qui décolle. Ouais. C'est pas un Nelcat qui décolle. Est-ce que vous êtes au courant de la. Bon, Vladimir, tu vas, quand tu veux te garer et téléphoner, tu te mets sous le bas-côté de la route, mais pas sous le terrain comme ça. C'est pas bien. Écoute, je l'ai vu, c'était le terrain de son grand-père. Et attention, tu es tout seul, tu es pas armé, c'est pas bien de jouer comme ça. Allez, on se casse. Où ça? Je vois pas. Où? L4. Ah oui. Fais une com' long pour CPA. Fais une com' long pour CPA. C'est quoi toutes ces armes? Cyralis pour CPA. Un entendu, ils ont dit quoi? Hein. Ils doivent être loin, hein. Ils sont au niveau de l'acheteur. Merde. Et vous garez mieux que ça, là, monsieur. Attention, monsieur. Allez, pour Cyrali. T'as pas quelle heure? Allez, écoute. Vous avez essayé de nous contacter? Bah, ouais, un peu, hein. Oui, de Cyrali, on a un L4 rebelle qui vient de décoller à côté de la DC, là. En direction de la Cyrali. Je vais voir un dragon. Ouais, direction tirant. Ouais, direction tirant. Il se vole la main. Qu'on va checker où là maintenant, VD? Allez, on se remet en position. Allez, on se remet en tenue. Schlump. Oui. Ils sont civils, sans déconner. Ils sont entourés, ils se cassent. C'est n'importe quoi. Du coup, vu qu'il y a toutes les unités sur Negadeth, on bouge à rien. La vie. Ils sont tarés. C'est forcément quelque chose à se reprocher alors. Tu mets pile en deux là? Pourquoi? Ouais, c'est sûr. Même truc. Bordel du cul, t'as rien de mon grand-père, merde. Bah, RAS, Egalès. Ouais. RAS, allez, on continue route. Ouais, direction à tir. La route va le casino ou pas? Parce que sinon, on pourrait poser 2-3 traceurs. Hein. Ouais. Allez, direction à tir.
point d'exclamation points. Valide pour Cyrilite. Elle écoute de Cyrilite. L'hélico il est toujours au dessus. Non. Non, de Cyrilite il est parti direction à Tira. C'est quel type d'hélico s'il vous plaît? Non. L4 noir urbain. Urbain je crois. Ah c'est ouais. Un camo noir quoi. Oh, faut faire roulette. Bon, bah c'est bien. Oula, oula, oula. Oula, c'est que ça là. Oula, oula. Eh, hey, mec. Mais putain. Mais putain, mais c'est quoi ça? What's here? Tu fais quoi, toi? Mon ami. Tu fais quoi, toi? Rien. Qu'est-ce que tu fais avec ton arme, toi? Qu'est-ce que tu fais avec ton arme, toi? Bah rien, un peu sur la route. Tu braques, tu braques ici, toi? Je braque rien du tout. Si, si, t'as braqué là. T'es en train de braquer, toi. Non, non, je braque pas. Je demandais à monsieur qu'est-ce qu'il avait dans le camion. Ouais, bah tu braquais. Viens ici, là. Mets-toi au sol, là. Couche-toi par terre. Couche-toi par terre, là. Couche-toi. Bah, au schtroumpf. Allez, couche-toi. Couche-toi. Allez, couche-toi. Il vous a braqué, monsieur? Oui, il allait essayer de me braquer. Ok. Bah allez. D'accord, mais au nom de la Schtroumpf, t'es Schtroumpf arrêté. Nice. Quoi? Bah parce qu'on va t'embarquer, on va te schtroumpfer, on va t'embarquer dans ma cabane et on va te torturer. Bonjour monsieur. Oh, nice. Là, bonjour. Bah allez. Est-ce que vous avez une Red Bull sur vous? Bah allez. Désolé, vous êtes, on vous a Schtroumpf sauvé monsieur. Ouais, je la vois tout fait. On vous a Schtroumpf sauvé. Attends, bah tiens, monsieur la police. Monsieur la police. Ah bah monsieur la police, regarde comment on va faire avec les policiers. Ah merde, putain, range ton arme, rangez vos armes. Merde, non, je peux pas ranger, je peux pas, hop. Bonjour monsieur la police. C'est bon, t'as ton télémètre. Ce monsieur il est en train de braquer. Bonjour monsieur. Ouais, ce monsieur, c'est... Bonjour monsieur les policiers. Lui il braquait, lui, il braque le monsieur là, et lui au sol aussi. Moi j'ai rien braqué du tout hein. Si lui aussi. Ouais mais il était avec lui monsieur ou pas? Monsieur il était avec lui? Ils étaient deux. Ah ouais ils sont deux, ils sont tous les deux. Allez mens pas, tais-toi toi. Hop là, t'es meloté, hop, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, t'es braqué. C'est mort, j'étais pas avec, c'est mort. M'en fous, tais-toi. Mais on s'en fout, c'est pas peur. Tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison. Police. Ouais, je suis un gogol, ouais. Ah. Ouais, je suis un gogol, ouais. Allez, monsieur, le deuxième braqueur, il est là. Il est là, le deuxième braqueur. Mais on s'en fout de ton arme. Ouais, ils étaient deux. Écoute-moi bien, toi, tu vas te taire et tu vas me faire. Eh, oh, quoi? C'est des menaces? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ah, ouais. Parce que si je le retrouve, je lui fais bouffer ses couilles. Allez, on circule, là, s'il vous plaît. Quoi? Tiens, Qu'est-ce qu'il y a, je vais te battre. Je vais demander à... Je vais te battre. Tiens, prends ça dans ta tête. Prends ça dans ta tête. Tu peux me passer le pompon? Allez, on s'en va, on se casse. Je vais vous demander de circuler, messieurs. Allez, merci, monsieur la police. Vous êtes des très bons policiers. Allez, hop. Ils est... C'est quoi cette voiture? C'est lui, là? Titoff. Vous, je vous verrai bien en photo. Salut Ralph, comment tu vas? Bienvenue, merci d'être venu ce soir. Ouais. Ralph. Bah, ils ont eu le seum, je crois. Bah là, ils ont le seum. Comment je l'ai énervé en fait.
Ils ont le seum, carrément. Passe la troisième. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. T'as vu l'accélération? Il avait le turbo, lui. Oh, go le doubler, go le doubler, là, je trouve. Putain, laisse tomber. Je crois qu'ils avaient le seum, les mecs. Hein. Ah bah. Il avait une belle stomp voiture. Hop, 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 la sécurité civile qui casse. Jésus. C'est vrai qu'on pourrait rouler en Fiat Uno en fait. Petite Fiat 500 ou un truc comme ça. D'ailleurs, on a des Fiat 500, Bana? Non. J'ai un gros doute, non. C'est pas en l'air seulement et tout. Non, on a pas rien. Oh, c'est con parce que je me verrais bien en Fiat 500 là. Ouais, mais faut dire. Faut leur dire là, de nous mettre plus de véhicules bonnes. Bonne voiture bien pourrie, tu sais. Faut dire avoir. La Smart. La Twingo. Smart, ouais. Non, ah, voilà. La part. Tu sais, tu prends une de toutes les couleurs et on fonce à 6 avec. Okay, on prend une de chaque couleur. Si j'appuie sur l'accélérateur, t'es avec sa maquette. Il est à 280, je l'ai sur le radar. Ah, laisse-le, c'est pas grave. On a autre chose à faire là que les excès de vitesse. Heureusement. Ah mais il fait la course avec nous en fait. Il est... Putain, je lag, qu'est-ce qui se passe là? Mais moi aussi c'est impressionnant. Ah ouais, toi aussi? J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai ah bah ça me rassure. Franchement. Ouais, il est cassé lui. C'est la sécu. La sécu en Porsche. On s'en bien payé la sécu maintenant. Oh, c'est mal bien. Hein. Le pire, c'est les Marshall. Marshall, il roule en Bugatti Veyron. Bah, c'est chaud tout ça. Faites quoi, hein. Quoi de vos journées? Oh, on attend au soleil que les prisonniers viennent. C'est ça. Après, sinon, Dédé, on a le sort de banque bus magique. Ah oui, c'est le vrai. Le quoi? Le ah, mini oui, banque bus VMC. Magique, tu veux que je te le montre? Ça s'appelle VMC Vendura. Ah, ouais, bah, on va voir ça. Hein. Ouais, mais c'est pas con, on va parce que là on est trop reconnu en fait. Ah ouais? Bah, oui, allez, on va à la berre. Allez, on fait le tour d'Atira, on va à la berre. Non, mais on peut sortir ici. Ouais, non, on va à la. Ah oui, oula. Ouais, ouais ici. Ouais. Le garage il est là. On fait le tour d'Atira, on fait un check d'avant. Ah. Un check les gars, oh, elles sont professionnelles là. Affiche. Merde, faut tout prendre en voiture. Ouais putain. Ouais. Grand chier. Écoute. Coco, on aura peut-être plus de place. Ah mais on peut pas acheter de voiture ici nous. J'en ai une. J'en ai une. Bonjour. Oh, des armes. En tout cas, j'en ai course hein. Bah ouais, hein. T'as vu, on roule bien. Hein. Elle marche bien ta voiture. Hein. Ouais, la petite macane, hein. C'est ça le bon. Eh, on n'a pas la police, hein. On n'a pas la police. Je te coupe les cheveux, mon gars. Eh non, mais pas ça. Ouais, non, pas l'insamant. Sors, mais dégage-moi ta merde. Bah ouais, c'est nul. Ça. Des trucs, moi. Ma voiture, là, tu l'as acheté? Eh oui, bien sûr que je l'ai. D'accord, moi je peux pas sortir de voiture, moi. Si, non, mais garage. Mais moi je peux pas en acheter. Oui, non, mais c'est normal. C'est pas le but, c'est pas d'en acheter, si. Mais non, ouais, c'est pas beau ça! C'est moche! Ah, ah, bouge-le si tu veux, bouge-le, mais c'est nul ça! Moi j'ai autre chose, j'ai mieux! Regarde, j'ai ça là! Vas-y! Vitre attention. Tentée ou pas? Tête, oui! Tête, non, je sais pas, on s'en fout, de toute façon on est en. Oh mon dieu! Ah ouais, ça c'est pas mal! Allez, direction BA! C'est beau ça! Allez, direction BA les gars! Moi je vais derrière! Si, je vais derrière! Attends, prends une trousse. Mais sorte ton truc. J'en ai une de trousse, arrêtez de dire vos trousses. Rangez vos voitures, les gars. Non, mais on monte. Je suis sans savoir. Attendez, je fais le tour des clés. Alors, Bibi, Nick, Momo. Ah, mais on rentre. Et franchement, tu prends deux VL comme ça et tu patrouilles, mec, c'est la vie. Va au grand schtroumpf. En plus de ça, tu vois, la DD, il peut sortir tout seul. Et nous, on est tous dedans. Et là, au second, on lui dit. Salut, et bon, on peut tous sortir avec Armée. Oh, ce serait trop stylé, j'ai trop envie qu'on fasse ça. Je pense qu'il y a peut-être pas la place pour mettre tous nos gilets, je crois. Vas-y, essaye.
Regarde, moi je mets mon gilet. Ah, déjà je mets le mien, c'est bon. Ouais, c'est Ah non, non, il y aura pas la place. Au pire, ceux qui sont derrière, on garde nos gilets, ceux qui sont devant, genre DD et je sais pas. De toute façon, il a rangé le véhicule donc j'ai plus mon MSR, plus le gilet. Ah. Bravo, bravo. Voilà. T'es tout nu. Allez, je vais partir. Le Tour de France, il est beau ce van hein, quand même. Attends, par contre, j'ai la 40, la 249. En premier, ouais, il doit stylé, pas voir grand chose. Si, tu vois pas mal hein, pourtant. Si, regarde la vitre de devant, elle est vachement bien par rapport à la vitre de derrière. Par contre, les vitres de derrière sont vraiment full. Tu vois rien. On voit bien, on voit bien à l'intérieur. Hein. Ouais. De derrière. C'est pour ça que ce véhicule est bien. Bon, il est pourri pour une course ensuite, mais pour se balader et trouver des mecs comme ça, c'est génial. J'imagine un takedown avec ce bus là. Mec, l'autre il arrive avec sa Smart, il vole. Oh, qu'est-ce que je peux manger? J'ai la dalle. Toujours le même problème avec moi. Ah, la bah oui, bah oui. C'est le même problème culinaire chez toi. Jeff a des pantoufles, c'est sûr. Attends, 2000%. Mais non, mais je te jure que oui, mais moi j'ai pas de pantoufles, j'ai des chaussons. Des fois, le chausson il me sert quand j'ai la flemme d'éteindre la lumière, bah je jette mon chausson et j'y arrive. Ou alors je demande à Google de m'éteindre ma lumière. Mais non. Ça marche aussi. Bah, si. Tu paries qu'on va nous braquer? Ce serait trop bien. Didé, mets ton gilet dans la voiture. J'ai trop hâte qu'on nous braque. En fait, nous derrière, on n'a pas besoin parce qu'on va pas se faire cramer, mais toi devant, si. Demain, il y a la voiture. Ah, oui, non, mais. Je veux dire. Il lève son arme sur Didé, donc on sort tous en même temps, fait OK, main sur la tête. Bah, en vrai, c'est ça. Les 4 kilos plus fort. Après, de devant, on regarde la voiture de devant, on nous voit tous. Hein. Les clés regardent devant et nous voient tous. Si on se baisse, faut qu'ils nous regardent, voilà. Non, faut qu'ils nous regardent. Et dans une voiture comme ça, personne regarde. Surtout, regardez nos GPS sur carte, c'est vraiment un bordel monstre. S'il y a quelqu'un qui nous cherche, il va pas te voir. Et où, Syrah, tu vois le gros tas de points là? C'est nous. Est-ce que je t'en fais un dispatch, du coup, je nous mets tous dedans ou. Non, on va changer. Non, parce que pour l'instant, on se bat comme ça, mais là, on est trop dans la voiture. On est beaucoup trop. On est 6 dans le même VL. T'imagines, non mais t'imagines, on va sortir en tous ensemble sans armes. Mais en vrai, je kiffe ça. C'est pas mal. Bah, les directions la BA. On pourrait faire des convois de ça, des. Ah bah, c'est ce qu'on va faire. 3 par VL, ou alors 2 par VL, on fait 3 VL comme ça. Non, on va faire. Et au milieu, on peut mettre. Je sais plus, il y a un autre véhicule aussi stylé comme ça. Non, bah non, qui est assez stylé. C'est un gros van par contre, il est horrible. Ah, alors, on va faire du. On est combien là ce soir? On est 5. 5. Et 6. On est 6. Bah 3-3. Allez, on sort un autre van et on. On fait 3-3. Quelqu'un a un van, un autre comme ça? Moi je vais en acheter un. Mais moi il y en a un des deux qui est pas. Qui a pas les vite teintés. Bah je vais en acheter un, sinon ça coûte combien? 450 000. Combien? Ça coûte que dalle. Donne-moi 450 000 les chansons. Putain, je crois que ça va pas le faire. Parce que je vais pas non, les véhicules comme ça, c'est très bien. J'ai 30 000 sur moi, si on se cotise un petit peu, je vais pouvoir en putain. Acheter. Oh la vache. Attention, il y a plein de trucs devant. Oh là. Il y a un gros truc. Oh, il y a le bordel, mais ils arrêtent pas avec les travaux. Mais en fait, c'est eux là. En fait, c'est leur but. Leur but. Ils sont chiés, les pauvres. Ah, mais ça, genre, je sais pas, t'as vu. Ils mettent du gaz de schiste. On se croirait en 45 là avec les... Gaz moutarde. Non, le gaz de schiste. Qui était utilisé dans les chambres. Ouais. Le gaz moutarde. C'est bon, vous avez pas d'armes, vous avez pas de gilet, vous avez rien. Ah. Si, moi, bah non, on peut pas sur moi. Attends, je retire, vas-y, c'est bon. Oh, c'est ok, on est bon. Pourquoi il a les mains sur la tête lui? Ah. Pourquoi il a les mains sur la tête lui? T'as où ça? Non. Ouais, mais monsieur, oh Mac, oh amigo, par favor. Ah, c'est bon. Par favor, s'il vous plaît. El casino plus là? Mais exactement, il plus de casino. Ah caput la casino? Ouais caput. No juego, y de menagiare ou la como esta la cavalas? Aucune idée, monsieur. Ok, d'accord. Bon, bah tant pis. Excusez-moi. Oui. Est-ce que l'inspecteur Lecoq est au commissariat?
Excuse me? L'inspecteur Lecoq, vous pensez qu'il est à la BA ou pas? Aucune idée. Aucune idée? Ah, bah je me suis peut-être trompé de commissariat alors, de poulailler. Vous êtes quoi? Vous êtes pompier? Vous êtes pompier, c'est ça? Ah, je suis sécurité civile là. Bah vous êtes pompier? Vous êtes pompier? Négatif. Vous êtes policier? Négatif. Ah, vous êtes quoi alors? Civil. Vous êtes civil. Sécurité civile. Sécurité civile, donc vous protégez les civils. Exact. Enfin, qui d'accord. Est tombé commun, mais... Ah bah d'accord. C'est quoi votre numéro? Vous êtes sérieux? Bah oui. À le 06. Attends, j'ouvre ma fenêtre. Allez, vas-y, 06. Ça va ou quoi? 10. T'es beau gosse en plus, toi. Ouais. 19. 02. Non, mais en fait, je m'en fous. Allez, salut. Ouais, non, il faut rigoler un peu. Ah, mais le mec, il m'a donné son numéro. J'ai demandé le numéro. Bah ouais. Rien compris. Non, mais je voulais son numéro de sécurité civile, en fait. Ah ouais. Ouais, bah, c'est le 22. Le 22, ouais. Le 22. Le 22, le 30D, le 50D. T'appelles trop les marchands. Attention, j'ai plus de frein. J'ai plus de frein. J'ai plus de frein. Oh putain. Ah, les braqueurs. Bon, c'est pas grave, c'est pas une perte. Attends, attends, rentre pas. Enlevez vos bonnets, les gars. Par contre, il y a ma M200 là. Enlevez vos bonnets. Bouge de la voiture. Je veux pas vous voir avec les bonnets sur la tête dans la BA. À la BA, c'est cagoule et sans bonnet. Moi, je suis chauve, je suis chauve. Okay. Putain, ça. Son arme déjà, parce qu'il a tiré avec sur un monde des forces de l'ordre. Et. Mijon. Est-ce qu'il y a un Shira disponible? Non. C'est quoi Shira? Ce qu'il a, Momo. Je vais acheter un bonnet, moi, parce que je suis. La mise à jour apportera quoi et sera quand? Ah, la mise à jour. Alors, la mise à jour elle va apporter beaucoup de RP, du craft. Alors là, je ne vais pas tout dire non plus. Hein. Je vais quand même laisser quelques surprises à la mise à jour. David. Mais on voudra beaucoup de RP de la part des rebelles et des policiers transmis. Bien, on va sortir aussi le G65 ou alors le Land Rover. Bien, on sort ça. Je sais pas, je vois. C'est bon, non, c'est pas celle-là. Enfin, que... voilà, ça va. Il y a beaucoup de choses comme ça qui vont alors, sortir. Alors, on reste en mini budget. Attends, je regarde. Mais je serais plus discret dans un bureau. T'es super discret. Hein. À la cage, je vais venir vous voir. J'ai ici, il y a la Fiat 500 qui sont me racontés là. Ouais, faut que j'achète des trucs. Ah non, putain, c'est bon. Alors. C'est lesquels à tirer. Ah, fils, c'est ce qu'il a dû faire. Je ne sais. Le van. Oh, le van, il est bien, le van. Oui, le GMC Vendora, là. Non, il est pourri, lui. Des claques au sol, hein, clairement, genre. GMC blanc ou noir. Il va y avoir des collines, c'est pour le doc. Oh non, pas GMC. Et rentrez vos voitures aussi qu'il y a devant là. Mettez les là. Casse. Ok, ça c'est bon. Bon, du coup, je prends un autre van. Non, on fait deux véhicules de 3. Deux véhicules de 3. Bah, deux vans comme ça là. Enfin, le bus. Ah, voilà, c'est ça. Tu veux que j'achète? Bah, vas-y, je prends un bus. Mais ça y est, j'en ai pris un. Arme légale catégorie A. Qui? Bravo. Ah d'accord. Taser, custom cover 2. J'ai pris des sous et tout. 45, ah j'ai dit en un, c'est mieux mais... T'as rien. Coûte que 30 000 en plus MDR. MK2, Silver Baller. Il est légal, ouais. Non, non. Vas-y mais pousse ta merde là. C'est pas ça, c'est
Sur ma gueule ou quoi là? Putain, c'est quoi cette blague là? Donc ça tu le retires et tu dis. Mais casse-toi! Prends soin d'un monde. Je vois pas de colère. Ah bah voilà! On dirait, hey, on est des pompes funèbres. Exactement ça. Allez, tous en costard. Nice, je suis. Tous en costard. On est des pompes funèbres. Voilà, comme ça je l'aurai. Faut foutre tout dans le véhicule, Dédé. Ouais, ouais, posez tout dans le véhicule. Les trois qui sont avec moi, hein, pas tous. Hein. Ah oui. Ouais, mais du coup, attends, faut qu'on soit trois. Et vous êtes que deux de base. Bah, je vais venir avec vous. On pourrait mettre sinon menace ou harcèlement. On est trois, nous. Ah bah non. Il y a Momo aussi. Bah Momo, il monte avec vous du coup. Mais il est pas dispatch. Ouais, j'arrive. Faut le mettre sur le dispatch. Alors, on va la jouer pompe funèbre. On a des cercueils dans la voiture. Let's go, let's go. Et on va demander de transporter de la drogue dans les cadavres. Je comprends pas. Test doc pour sécurité civile. Je voulais être tout nu, moi j'étais bien tout nu. Là c'est dans civil. Quel costard? C'est où? Police. On voit ce costard. Ah, costard okay. Police. Ah. Merde, costard putain. Police. Je suis con. Respect. Voilà. Ah, bonsoir. La centrale. J'espère bien que vous referez pas. Il faudrait un. Du coup, monsieur, j'attends 30 minutes ici. On est bon. Vous voulez parler à qui? Chira de préférence. Chira. Il sire quoi? Oh, t'inquiète, tire les pompes. On envoie des messages sur les fois. Un plou. N'importe, tu es Chira. Bah du coup pour l'instant il y a un des trois. Putain mais foutez ma gueule ou quoi les gars là? Putain c'est plein. Monsieur que vous parlez à l'accueil. Ouais, ouais. C'est pas ça, vous êtes mignon avec vos petits costards là. Eh hey, les gars. Vous allez en soirée? Ouais, on va le pot à cul. Ah, ouais. Quoi? Régler ce souci d'électricité. Bah la licence de l'électricité. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Un monsieur qui vous parle à l'accueil. Ah mais il attend. Sûr, dis-lui d'attendre, on arrive. On va lui maraver sa gueule après. Toi, comment c'est chez vous? D'accord. J'ai pas une crique veste. Veste de costard. Putain, les gars, merde! Par contre, ouais, y a que le. Il me reste que là. J'ai la veste avec. Le seul truc que je pose moi dans le VL, c'est hop, gilet. Non, c'est pas moi. Ah ouais. Attends, t'arrives à faire rentrer l'arme dans le sac? Putain, mais rentre. Je vous jure, là je vous montre. Non, pas moi, ouais, pas clairement. Ce qui a été enregistré sur ma GoPro, vous allez bien voir que c'est pas moi. Parfait, merci. Vous commencez plus, monsieur. Monsieur, attendez. Mais je qui, toi? Ça ou pas? Comment? Oh, putain, mais j'ai pas envie. J'ai pas les clés, il a oublié. Oh, qu'est-ce que tu veux là? Allez, viens. Allez, viens. Je peux venir? Ça dépend, tu suces toi? Nickel. Tu peux venir? Tu pompes ou pas toi? J'ai mal le patron. J'ai pas les clés. Oh, qu'est-ce que tu veux toi? Non. Qu'est-ce? Moi je. Ah. C'est ma chaise. Ouais. C'est ma chaise, t'as pas compris encore? Allez! Qu'est-ce que tu veux? Tu as rien retiré, putain, mais pourquoi vous m'avez retiré tout? Ah, oh, tiens. J'ai bah, va de l'autre côté. Bon, qu'est-ce que tu veux? Attends, putain, voilà. t'as bugué ma chaise. Bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Kerry? Mais voilà. Quand vous le savez, j'étais un dick chez vous là. Moi j'ai même tiré. Ah bon? J'ai même pas tiré. Bah, j'ai pec. Bon, t'étais. Bah, je sais pas, peut-être que je le suis toujours. Ah, mais.
plusieurs familles, etc. qui me recherchent pour me torturer. Ah, c'est moche. Et du coup, pour ça, j'ai dû faire une chirurgie esthétique. Ouais. J'ai dû aller, je sais plus, il m'avait dit où, à la préfecture, là, ou je sais pas quoi, pour aller changer ma carte. Ah, ouais. Et tu t'appelles Kerry Corleone. Ouais, c'est ça. Et j'ai dû tout changer, quoi. Bah, t'as bien fait. Et même ma tête et tout, j'ai dû tout changer, sauf que le chirurgien, il s'est foiré un peu, il m'a rendu... C'est de la sec qui voulait te choper, toi, non? Ouais. Merci, monsieur. Bon. C'est vrai. Y a aussi peut-être la scorpion, maintenant. T'as un nom sur la secte ou pas? Ah non, j'ai aucun nom de la secte. Mais la scorpion, ouais, je crois qu'ils me cherchent parce que j'ai balancé des infos sur eux et tout. Ouais. Ouais. Mais, ok. Donc la secte, c'est le grand gourou et tout ça, là? Ah, je crois, ouais. Tu crois ou t'es sûr? C'est important. Je me souviens bien, quand la dernière fois que je les ai vus... Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est ouais. Ça? Je sais pas quoi, là, le loup-garou, là, c'est ça, ouais. Ouais, le loup-garou, le gourou, quoi. Ouais. Et du coup, maintenant, je parle un peu comme un clochard, comme ça, parce que pour pas qu'il me reconnaisse. Ouais, bah t'as bien fait. Tu fais bien, Kerry. Bah ouais. Tu sais quoi? Donc, c'est bien que tu me le dises, ça. Parce que c'est important, tu vois. Moi, ce qu'il me faut, c'est... Oh, merde. Moi, ce qu'il me faut, c'est vraiment que la secte, ils ont signé un pacte avec le ministre. Ah ouais? Ouais. Et toi, ça m'ennuie. Ça m'ennuie beaucoup, ça. Parce que tu vois, ils braquent, ils torturent des gens. Et je vais aller choper des infos sur eux, comme ça, je vais les craquer. Exactement. Tout ce qu'ils font de mal, tu me le dis, Kerry. Tu demandes d'aider. Je vais faire un gros dossier. Un gros dossier, et comme ça, on les... PAF! On leur enlève leur accord avec le ministre. Ouais. Et PAF! On les défonce, on les fout en tout. Ouais. On fait comme ça ou quoi? Ça marche, ouais. On fait comme ça? Ouais. Et du coup, tu vois, je sais pas si sur vos papiers, dans l'ordinateur, là, si tu joues écrit Kerry Wayton. Non. Vas-y, donne-moi ton numéro, Kerry. Alors, 06. Ouais. 23. Ouais. 14. Ouais. 04. Ouais. 75. Ok. Voilà. Et change de nom de code aussi ou pas? Ouais, t'es le corbeau. Ah, je suis un corbeau, ça marche. Donc t'es le corbeau, donc tu, quand tu envoies des messages à la police, tu signes le corbeau. Ok, le corbeau, ok, ça marche. Ok. Paf, le corbeau. Ok. Oh, le corbeau, c'est le corbeau. Exactement. Ça marche, mon petit Kerry? Ok, ça marche, merci. Bon, allez, bon courage. Bisous, mon gars. Ouais, bon, merci. Et si tu me ramènes de la merde, tu fais l'aspirateur. Pourquoi tu pisses dans le robinet? Ok, ça marche. Ouais, bah j'ai vu, c'était sale dans les toilettes, là. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ta gueule, là? Monsieur, il a le pied dans la robot. Et alors? Et toi, t'as vu ta gueule? Faudrait me le pisser sur ton visage, toi. Et toi, t'as vu la tienne? Quoi? C'est à moi que tu parles comme ça, là? Moi, ça m'aurait pas plu. C'est à moi que tu parles comme ça, là? T'as cru que j'étais ton pote, qu'on a élevé les cochons ensemble? Retourne dans ta ferme, refais-toi un visage, et après, on parlera. Allez, à tout à l'heure. Il se passe quoi, là? Oh putain. Ah oui. On va mettre ça dans la véhicule. Nous allons pouvoir. Je pense que nous allons partir. Parce que du coup, c'est pas les bombes funèbres, ça. Je sais pas ce que. Non, mais un truc dans le type. Ça, c'est Dark Vador, ça, c'est l'arrivée du. Non, mais pas du tout, mais n'importe quoi. Dans ce cas, c'est sur un problème. Rien à voir, c'est plus tel. Le mec, c'est Adam Probable pour mettre des tas d'âmes. Oh, je sais que c'est le perdre là. Valide pour Cyrilie. Transmettre. C'est où les fusées là? Les fusées? Négatif, regarde en l'air. Ah, négatif, non, j'ai une tête à lancer des fusées. C'est joli, oui. Oh, la belle rouge. 14 juillet. La belle rouge, oh oui. Non, c'est les attentats. Oh, pardon. Oh. Regardez, ce sont les restes des tours jumelles. Merde. Le 11 septembre. Le 11 septembre, il en reste 3. Il n'y avait que 2 tours. Mais il y avait l'avion aussi. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est joli à la fin. Oh, c'est fini.
Oh, par contre, du bon, coup, allez, on se casse. Du coup, tout le monde va voir ma moustache quand il va me regarder. Bon, et les gars, c'est le bordel parce que. Qui a un jour s'est dit. Parce que. J'ai un problème, les gars. Ah, quel est le problème? Il y a plus de place dans le bordel. Tu veux venir chez nous? Parce que vous savez pas organiser vos trucs, regardez. Mais oui, regarde tout ce qu'on a mis dedans, regarde tout ce qu'ils ont mis dedans là. Nous, on a juste. Par contre, il y a une tenue qui sert à rien. Non, vous avez un P4 dans le vide là, non? Attends, le P4, je peux pas le mettre sur moi. Ah, mais c'est, vous avez une arme en trop, Attends. Ah non, c'est pour DD, c'est ok. Ouais, il y a un sniper dedans, obligatoire. Vous mettez des trucs dans votre sac. Avez... Ton sniper, en fait, il prend basse place, en fait. Comment manger? Et là, vous avez juste des tenues. Là, vous avez tu peux la mettre dans le sac. Tenues, bah, pourquoi vous mettez pas les tenues sur vous? Tenues à place dans le sac, normalement. Vous avez plus de place? Non, c'est bon. C'est bon, ok, parfait. Attends, j'ai regarde, comme il est propre. Et moi, j'ai la mienne sur moi, c'est pour ça que je peux toujours manger. Moi aussi, j'ai la mienne sur moi. T'as bien ma moustache, c'est ça? Elle est comment? Je garde une, je me rappelle plus. Okay. Attends. Elle est en U inversée. Attends, je me retourne. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est parce que ça faisait trop. Non, mais pose là. Ça faisait grave, tu sais, le mec. Il y a la place, on dirait. Allez, on se casse. Moi, j'en ai une. Ah, moi aussi, on va la garder. S'ils n'ont pas pris de trousse, hein. Enlevez vos cagoules. Pourquoi je suis derrière? Je suis tout seul. C'est délire. Par contre, il manque vraiment quelqu'un de. Avec nous. Nick. Pourquoi je peux pas? Ah! Nick. Ah, il est là. Je croyais qu'il était plus là. D'accord, en fait, ça fait priorité site, c'est ici. Des fois, il disparaît de l'île comme ça. Là. Allez, les gars, on y va. Allez, on bouge. Allez, on bouge. Ah, tu vois. Non, mais attends, mais y'a un souci là, j'ai ma tenue qui a disparu. Je cherchais ma tenue, elle a disparu. Bah non, elle est par terre en bas, au sol. Mais c'est parce qu'en fait, je peux pas mettre de tenue dans mon sac. Parce qu'elle doit être pleine, c'est pour ça. C'est long, les gars, c'est long. Prends ton costard et tu mets la tenue dans le coffre. Bah, justement, y'a pas de place. Tu vires ta trousse et je garde celle sur moi. Tu mettez, vous mettez vos armes dans vos sacs à dos. J'aimerais bien, mais un DSR ça rentre pas. Il nous a 49. Non. C'est pour ça qu'il faut prendre une Spar 16. Spar 16, ça rentre. Pourquoi il y en a un en plus de. Parce que Dédé il prend un TE. Non, avec... non, mais en fait, il y a. Genre, il y a une tenue en trop là. C'est que je les vends. Bon, allez, c'est bon? Allez, on se casse. Oui, il y a une tenue en trop, oui, en effet. Une tenue en trop dedans, mais il y a une tenue en trop du coup dehors. Mais... Je sais pas. Oh, je crois qu'il faut qu'on mette le béret. Ouais, t'inquiète, c'est fait. C'est nickel comme ça. J'ai l'impression qu'on est en maison de retraite comme à l'arrière comme ça. Ça, c'est les véhicules des. Tu sais, c'est comme. Tu sais, quand on avait pris le taxi une fois, tu sais, le taxi dodo. Ah ouais. C'est que tu peux mettre la musique à l'arrière. Ah, c'était trop bien, tu sais, dans une tablette. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Oh putain, faut pas freiner. Hein. Voilà. Pas freiner dans les virages. Hein. Il y a la hole qui est ouverte. Il y a la hole qui est ouverte. On peut peut-être attraper Cordias. Ouais. Tiens, les unités sont arrêtées et arrivent sur nous. Là, oula. Ah ouais. Oui. Oui. Doit peut-être qu'on mette nos phares pour avoir l'air plus crédible. Vous direz. Oui. Oh, celui-là, on essaie d'aller bosser pour lui. On va essayer de choper Cordias, vu qu'il fait des menaces au gouverneur. Au gouverneur qui. Ouais.
femme en kilos. Hein. J'ai l'impression qu'il est tout le temps en première, tu sais, à l'accélérateur. Je fais un peu dès que tu freines, un braquage gauche t'arrive. Ça pu aller faire un bruit. Si ça part en course poursuite, on est vraiment mal quand même. Un client. De quoi? C'est quoi le plan? Le plan, on va aller là-bas, on regarde si y a Cordias, on commence à inventer une histoire, on veut travailler. Je trompe, le savais-tu, la Oil nous doit un corps d'étude. Ah bon? Ouais, on n'a pas pu aller chercher les taxes, ils sont jamais là alors. On va aller chercher en même temps. D'abord, on se fait passer pour ça. Alors, au début, on va arriver, on va vérifier si Cordias est là. Si Cordias est là, on va commencer à l'embarquer. Ensuite. Merci Octavia, merci beaucoup, ça fait super plaisir, merci beaucoup Octavia. Ensuite, on va se faire passer. Lâchez un like. Ensuite, on va se faire passer pour une société de pompes funèbres. On travaille avec la sécurité civile et les sociétés pour amasser les cadavres au cas où. Et après, quand ça monte un petit peu crescendo en température, on va demander la taxe. Exactement. Voilà l'histoire. Merci Octavia, merci beaucoup de ton don de 10 ans. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup, ma grande. Merci beaucoup, ça fait super plaisir à toi. On va te passer VIP pendant 7 jours. Ah non, t'es déjà abonné, je crois. Je suis pas sûr. En tout cas, merci, ma petite Octavia. Ça fait plaisir. Tu auras le droit de toucher mes pecs deux fois plus que les autres. Par contre, je sais pas où vous allez, hein, mais la Oil, c'est plus là. Mais c'est où la Oil? C'est à gauche. C'est sur la gauche. Un new follower. La Bienvenue Forestier Sapeur, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux aussi nous retrouver sur Discord pour jouer en intra communautaire sur R6, LOL et tout ça. Et également sur YouTube pour voir les gameplays et les lives. Merci à toi. Salut Sir. Bah pareil pour toi, merci d'avoir rejoint. Je vais pas me répéter. Je suis perdu là les gars. Tiens, il y en a qui conduit là. À droite. Merci Yakari, toi aussi, même discours, merci beaucoup. En off-road déjà. Oh, je suis perdu là, je suis partout et nulle part en même temps. Tout droit. Puis la lumière Dédé. Oh la lumière! Que la lumière soit. On gagne quoi à être VIP? Alors Tanou, tu gagnes. Oula. Oh merde. Merci Octavia de ton abonnement. Bienvenue dans la MIF. Donc, du coup, bah, tu es VIP le temps de ton abonnement. Et bienvenue parmi les 37 abonnés de la chaîne. Bonjour. Bonjour messieurs. Nous sommes les pompes funèbres de la Schtroumpferie. D'accord. Et c'est pour... Bah, c'est pour travailler. D'accord, il n'y a pas de soucis, je vous dis. Merci. Je l'ai plus. Blessif, quand je trouve. Ah, elle est chouette cette entreprise, elle est jolie quand même. Hein. Ouah, qu'elle est jolie cette entreprise. Oh là là, magnifique. Donc merci, ma petite Octavia, ça fait super plaise. T'as nous ce qu'on gagne, émoticône privilégié, bah, VIP, voilà, total. Demande aux abonnés, ils te répondront. Plein de privilèges, d'un classement, plus de points. À grand compte, il faut faire une lessive ou une... Vous êtes tout nu. Oh, d'accord. Ah, faudrait éteindre les phares aussi parce que ça enlève les lumières. Oui, bah ça va, tu vas pas me prendre à schtroumpfer ma voiture, non? On les connaît, merde. L'autre, il va schtroumpfer ma voiture maintenant. Ah, il faudrait se garer un tout petit peu plus à gauche. Ouais, bah ta gueule. Oui, bonjour, nous sommes les pompes funèbres de la Schtroumpfer. On travaille avec la sécurité civile, on ramasse les cadavres des policiers et des rebelles. Donc on voulait aussi venir vers vous, parce qu'on sait que beaucoup d'ouvriers meurent
dans les bateaux et dans votre entreprise par des accidents de travail. Donc on voulait vous donner notre numéro parce qu'on est officialisé, ça y est. On est une entreprise officielle de Cavala et du gouvernement, de monsieur voilà. Et du coup, hein ? Monsieur voilà ? Monsieur voilà, je me rappelle plus de son nom. Ah d'accord, ça me semblait. Voilà, donc il nous a dit, bah écoutez, allez voir monsieur Cordias, il est à la Oil Entreprise, il vous trouvera du travail, le temps de faire un petit peu de caisse, vous voyez, parce qu'il faut des fonds pour commencer l'activité. Et ils nous ont dit de voir monsieur Cordias pour travailler un petit peu. Alors, je vais vous décevoir, monsieur, je suis pas Cordias. Ah mince ! Mais vous êtes beau gosse quand même, hein. Ah, c'est gentil. Mais du coup, moi je suis un comptable de la Oil. Alors du coup, je vais soumettre l'idée à Cordias en lui envoyant un message. Et si jamais il peut se présenter rapidement, et eh bien je... Ah bah c'est gentil. Ah, c'est gentil parce que... Je pourrais le trouver souvent en tant qu'employé du casino. D'accord. Au garage à l'aéroport. Il est sous d'accord. Où, donc, quand d'accord. Vous ouvert, vous pourrez aller le trouver. Mais d'accord. Vous voyez pas ce qu'on peut le trouver. Alors là, de ce que je vois, il naît pour un là. Ouais, exactement, j'ai même forcé le RP, j'ai augmenté encore le truc. Carrément, Octavien. Et là, pour l'instant, vous le verrez pas du week-end. Sur le continent, il est encore scout. Allô ? Allô, chérie ? Allô ? Ouais, ça va, ma poule ? Quoi de neuf ? Bah ouais. Bah le business, hein. Bonjour. Bah ouais. Là, bah ça y est, on a ouvert la pompe, l'entreprise. Là, on est à l'entreprise, là, pour savoir tout ça. Donc voilà. Ouais, c'est super, ouais. Ok. Bon, bah, je te laisse, ma poulette, je suis occupé, les business is business. Bisous. En tant que client basique. Ah, bah, justement, parce qu'en fait, on a les policiers qui sont arrivés dans l'entreprise et nous ont déjà demandé la taxe de 3 millions. Donc, ah, ouais, bah, voilà, ouais, d'entrée de jeu. Bonjour, nous sommes la police, nous voulons la taxe de 3 millions. Donc, du coup, bah, ouais, mais on n'a pas l'argent, en fait. Donc, on s'est dit, bah, c'est comme ça qu'on a su que monsieur Cordias allait nous faire travailler pour gagner un petit peu d'argent, en fait. Au pire des cas, partez en camion terrestre pour récupérer de l'oeil et on vous achètera. Normalement, un camion, c'est 464 000. Donc, sachant que vous êtes 5, vous faites 2 allers-retours. Vous avez déjà votre six. Quota pour 6. Ah ouais excusez-moi, ouais, j'ai mal compté. Voilà, avec pas de soucis. Oh. Donc, si vous êtes d'accord. 6, hein, vous rentrez déjà facilement dans vos comptes. Hein. D'accord. Parce qu'ils viennent aussi vous prendre la taxe, les flics, là les policiers, pardon. Ça n'a pas le même impact que vous, puisque on est déjà bien installé. Ah ouais, vous avez déjà les fonds de commerce, quoi. Oui, largement, oui. Et surtout, c'est des BRE. Bon, après, c'est pas pour autant qu'on les tolère, hein. Vous savez, les taxes, c'est pas... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, ça vous dérange qu'on a des BRE ? Non, je demande. Ah non. Ah ouais, d'accord, non, mais quand vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, en fait... D'accord. Ah ouais, d'accord. D'accord, non, mais y a pas de souci parce que moi je critique pas vos casques à devant la... Ah, je confirme. Ouais, je confirme, ouais. Pourquoi ? Voilà. Ouais, d'accord, on est d'accord. Ouais, donc voilà. Bon. Bien sûr, on a toujours des bonnes bases. Et pour construire un immeuble avec des bonnes fondations, il faut être plusieurs briques. Qui ça ? Je sens que. Pourquoi ? Eh ben, exactement. Bon, on travaille, les gars ? T'es parti ? Allez, ouais. Payons la taxe ! Ouais ! Alors, allez, coup, c'est parti. Bah, je vous suis, du coup. On va sortir des camions, hein, Joël. Non, il a pas compris, le monsieur, en fait. Ah non, il a pas du tout compris. Bah, du coup. Non, il a pas compris, monsieur. En fait, on vient prendre notre taxe chez vous, en fait. C'est ça, le truc, en fait. Ah, vous venez prendre votre taxe chez nous ? Ouais, exactement. tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Du coup, sur le principe, sur quel honneur je peux me permettre de vous lâcher 3 millions pour vous payer votre taxe ? Non, c'est 5. C'est 10, plus. C'est 10 là. Ah, c'est 10. Ouais, c'est 10. Ouais, c'est 10. Non, c'est 15. 15. 15. C'est 15. C'est 15. Ouais, 15 avec 6-0 derrière, en fait. Bah oui, c'est 15. C'est 15. Non, 17. 17. 17. 17. Faut vous mettre d'accord, hein. C'est 15 ou 17. Je sais pas, c'est lui le comptable en fait. C'est lui le comptable en fait. C'est 100 millions, non, je crois, quelque chose comme ça, non ? Non, je sais pas, c'est lui le comptable. Si vous le contactez et vous dites ça, oui, c'est sûrement ça. Bah dans ce cas-là, c'est vos taxes, c'est pas les nôtres. Hein. Ah bon ? Non, mais il a pas compris le monsieur, oui, en fait. Justement, mais non. Payées, hein. Y a pas de... Mais non, ah bah j'ai un doute. Ah non, y a pas de problème. Bah moi j'ai pas reçu l'argent.
Ah, vous, vous devez recevoir l'argent parce que vous êtes en l'état, dites-moi. Bah, non, non, on est les pompes funèbres. Ah, on est les pompes funèbres. Les pompes funèbres, c'est pas vous qui recueillez les taxes. Bah, si, si, le gouvernement nous a donné le pouvoir de récupérer les taxes en fait. Ah bon, vous avez un papier pour ça? Ouais, pas besoin de papier, monsieur. Est-ce oui, que vous avez un pompier de vos contrats? Des fois, vous payez des petits frais de notaire, bah, ça vient dans notre poche. Exactement. Oui. Ah, ouais. Donc, à boule le pognon! Là, vous êtes en train de nous dire que vous êtes mandaté par l'État, mais que vous avez pas de papier. Exactement. Exactement. T'as tout compris, ouais. T'as tout compris. Je vous invite à partir tout simplement, ça sert. Non, t'as pas, t'as pas compris non plus là. Ce serait trop facile ça. Ça, c'est un arrangement d'entreprise. C'est un arrangement d'entreprise, mais ça, ouais. Moi je m'arrange pas avec les lois. On n'a pas le choix en fait, hein. Ok, vous pouvez venir les gars avec les camions devant l'entreprise, vous pouvez tout fermer, aucune entrée, aucune sortie. Voilà, bon bah ça va mieux là? Oui, continue. Bah ok, bah tu peux appeler la police. Tu peux leur dire que vous êtes en otage. Allez, c'est parti. Otage. Tant que tu m'auras pas payé. Ouais, vous êtes en otage. Et je veux le pognon. Allez, c'est parti. Bah, y'a pas de soucis. Monsieur, si vous avez même pas de papier comme quoi vous êtes mandaté, je vois pas. Non, mais déjà, j'ai pas. On a demandé de l'argent. Ah, écoute, tu sais quoi, je trouve farceur. Emmène-le discuter là-bas un peu, s'il te plaît. Ok, allez, viens avec moi. Il est où le patron là? Allez, le comptable, on y va? Bah, où? On va à ta caisse. Ah bah moi ça tombe bien, j'ai pas envie d'y aller. Ah bah écoute, t'as pas le choix en fait. Ah oui d'accord, donc vous allez m'obliger carrément à retirer de l'argent mais vous êtes... Ah ouais, d'accord, donc je vois que vous, les lois, ça vous parle pas. Bon, on s'en fout des lois, on s'en fout des lois. Allez hop. À boule le pognon. Ah non, pas du tout, je regrette. Bon les gars, on a le choix ou on a pas le choix? T'as le choix ou t'as pas le choix? On a pas le choix. Bon allez, c'est parti. On a pas le choix. Bah allez, je te laisse faire, je trouve gourmand. Oh la belle piscine et... Oh la belle piscine, dis donc, la vache. Il y a les thunes ici, hein. En fait, j'installerai bien les... Bonjour monsieur. Les bureaux de la pompe funèbre là-haut, en fait. Là-haut, là? Ouais, là-haut. Toi, je me verrais bien là-haut. Mais on peut travailler dans les bureaux un peu plus bas, là. Il y a des rentrées dans le... On faisait les véhicules, là, et puis on est... On est bien. Vous êtes avec moi, monsieur le comptable. Bah, je vous suis. Oh là, sacré putain de pognon ici. Lâche le vôtre. Ah bah dis donc, ça. Il y a de la thune. Personne. Nous, on prend la taxe, nous. Vous avez pas installé mon bureau. Ça ne me va déjà pas. Il y a peut-être quelqu'un là-bas. Non, mais attendez. Et mon bureau, il est où là? Parce que le bureau du grand Schtroumpf, il doit être en hauteur. Hein. Ouais. Oh, il est passé où? Il est là. Venez avec moi. Oui. Oh, qu'avait un casque? Un casque là, si quelqu'un le veut. Vous allez fermer les camions, les gars, en fait? Ma fille. Tu veux qu'on ferme l'entrée? Non, vous fermez pas l'entreprise. Vous fermez les camions. Ma fille, je vais voir. C'est mieux. Bon, c'est good. Du coup, vous êtes monsieur? N'auriez pas un petit retour par hasard? Roi, ah, les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Je ne sais pas, mais de tous ceux qui sont seuls, je m'en vais là-haut, vers les ennuis. Ça te dérange si je m'assois à ta place en fait? Non, ça te dérange pas. Hop là. Voilà, monsieur Roy. Roi. Mettons les dossiers en face de moi. Alors. Vous avez fait des bons bénéfices ces derniers temps, monsieur Roy. Et je vois que. J'ai pas pris les taxes de la semaine dernière, ni les taxes de. Allez, on a scotché encore. Et là, cette semaine, les taxes n'ont pas encore été plus. Enfin, pas pu être pris. Il a envie dans les airs, là. Et du coup, vous me devez 10 millions, là, monsieur Roy. Je vous dois 10 millions. Ah, bah, bien sûr. Après, si vous voulez faire cette semaine, c'est 15 millions, évidemment, vu que c'est 5 millions par semaine. Tu le vois, là? Bien sûr, bien sûr. Vous savez qui je suis, monsieur Roy? Non, et puis j'ai pas envie de savoir en fait. Ouais, c'est mieux en fait. Ouais, c'est mieux d'un côté pour vous. Non, mais que vous connaissez votre identité ou pas, ça me. Si vous saviez. Ah, moi, franchement, à votre place d'un côté, je serais heureux de pas me connaître, mais bon. Quand même que vous puissiez me sortir les taxes, sinon malheureusement, moi là-haut ça va gueuler. Salut banane, bienvenue, merci d'avoir follow la chaîne. En fait, sinon votre entreprise risque d'être fermée. Supérieure à nous. Les entités supérieures à vous, oui, en effet, le ministre.
Le ministre, ah vraiment, le ministre. Ah ouais, le ah ouais, mais ah bah oui, ah bah oui. Et vous nous faites des prises en otage. Oula. Ah bah oui. Décidément, votre histoire, elle tient la route, hein, c'est incroyable. Bon, allez, 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 c'est bon les gars, on arrête la blague. On arrête la blague, les gars. Bon, et Roy, c'est la police, file ta taxe. Brigade de répression des fraudes, la vie. Voilà, c'est la BRF. Allez, file ta taxe que t'as pas payé et on se casse. Sinon, je prends la caisse noire et je prends toute la caisse. Ah oui, bah d'ailleurs, tant qu'on est là, alors bah, j'attends toujours de voir une plaque, papier, etc. Non, alors t'as pas compris, c'est que nous, on est le genre de mec à pas. Voilà, tiens, cadeau. Allez, hop, c'est parti. Je vois que vous appelez Jeff Huch, oui. Hey, ça te dit, ça te parle pas? Tu peux pas regarder tes papiers? Regarde tes papiers, tu verras le petit nom de Jeff Huch qui va apparaître dans. Alors, Roy, je vais m'asseoir à côté de toi, mon petit Roy. Tu sais, mon petit Roy, le jour où tu seras vraiment pris en otage et que tu réagis comme ça. Je peux te le garantir que tu survivras pas longtemps à la prise d'otage. Tu vois, c'est un petit conseil de flic en fait. C'est un petit conseil de flic en fait. En tant que preneur d'otage. Exactement, exactement. On te fait marcher, on te fait courir. Pour que tu comprennes qu'en fait ici, même si c'est chez toi, pas oui, toi qui commande en fait. Est-ce que j'ai couru? C'est ça le truc. Mais en fait, t'as couru les deux pieds joints en fait. Ah oui, oui, oui. T'as couru les deux pieds. Ouais, les deux pieds. Alors, est-ce que je vais céder à votre pression? Est-ce que j'ai oui, 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 oui. Ah, parce que vous avez l'argent dans vos poches, je savais pas. Voilà. Bon, alors, on vient payer la taxe parce que c'est, comme par hasard, la seule entreprise qui paye pas à temps, en fait. Et quand on vient les récupérer, il n'y a jamais personne. Ça, ça m'emmerde un petit peu. Donc, en plus d'être des employés de cette société, il y a des personnels de là-dedans qui travaillent dans une société au black détenue par des putains de brigands. Et ça, ça m'emmerde, en à fait. Les de Apple, je dois prendre ma fin de service urgente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais... tu vois... non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Et ça, ça m'emmerde un petit peu. Parce qu'au moins, ton entreprise, là, elle pue la magouille en plein nez. Et ça, ça me plaît pas, en fait. D'accord. D'accord? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Si je te dis ça, c'est pas pour rien, mon petit Roy. Sache que j'aurai toujours un coup d'avance sur vous. Ok? Parce que j'ai des petits gars à l'extérieur qui bossent pour moi, qui me disent tout. Alors, c'est simple. C'est soit tu remets de l'ordre. Et tu rends compte à ton patron et vous remettez de l'ordre. Soit c'est moi qui reviens, un jour où j'aurais choisi, une date que j'aurais choisi, une heure que j'aurais choisi, et je remettrai de l'ordre moi-même. T'as compris? Voilà, tu passes ce message à tes boss. En attendant, tu prépares la taxe, vu que t'es comptable, sur le retard de taxe également, et on va repartir comme on est revenu, tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis comptable. Hein, je... Voilà, et moi, je te dis, le mec que t'as en face de toi, c'est le boss. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Alors, allez, oui, à tout de suite, à plus tard. Mon petit roi, du coup, t'as forcément le document historique de l'OI, non? Ouais. Oui, 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 forcément. Oh là, j'adore, je kiffe. Je kiffe. Du surkiff. Bien sûr, on va te mettre Octavia le rôle. Modératrice. Ah, c'est fait, bah c'est fait, Octavia. C'est fait. Ah, bah ouais, mais ça, c'est le problème. Mais comment t'expliquer que ton entreprise, là, elle me doit 10 millions? Plus 5 millions là qui vont venir cette semaine, ça va faire 15 millions. Et alors les gars, si quand je viens, si quand je vous envoie un message, j'ai jamais personne pour venir les chercher, moi l'entreprise. C'est fait, ah bah nickel. Merci les gars. Merci les modérateurs. Vous me donnez l'argent. En fait, je comprends, il n'y a pas de souci. Vous êtes envoyé pour nous prendre les taxes, il n'y a pas de problème. Mais c'est que moi, je suis comptable, mais je ne suis pas habilité à vous verser un centime. C'est les supérieurs qui peuvent le faire. Ah ouais, mais comment je fais moi si jamais vos supérieurs sont jamais là? Bon, c'est simple. J'envoie les supérieurs, ils sont pas là. T'as pas la moyen de payer ta taxe de la semaine dernière? T'es comptable et t'as pas les moyens de payer, toi? Non, mais je suis comptable, mais moi, je... Ok. Est-ce que tu veux que je prenne 5 minutes, que j'appelle le ministre, que je ferme la boîte, en fait? Je fais seulement que gérer les... Ok, bon, bah j'appelle. Vous n'avez donc pas 15 millions avancés à votre entreprise en attendant? Ou 10? 10 millions, du moins. Je ferme la porte, hein. Ça m'entend plus. Mais c'est pas une décision. Je suis comptable, mais je suis pas directeur des finances, je suis pas directeur général. En effet, général, vous êtes pas directeur des finances, PDG. Mais là, votre directeur, il est jamais là. Et moi, je fais comment si je viens chercher mes taxes et que vous êtes jamais là? Je sais bien, mais c'est pas de ma responsabilité, vous êtes en train de m'engueuler. Pas de moi, votre responsabilité. Non, je vous engueule pas vous. Je vais faire bravo pour. Mais moi, je peux rien faire. Je suis qu'un Je suis tout seul dans mon véhicule. Et que vous devriez prévenir vos. Il y a déjà un message d'envoyé, mais je. Là, l'entreprise, elle a pas payé. Pourquoi elle a pas payé deux fois? Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas? Bah, parce qu'en effet, quand ils viennent, ils sont pas là. Faut faire remonter les infos quand il y a la police qui envoie des messages ou qui viennent à vos supérieurs. Parce que moi, je vous ai envoyé des messages approximativement
mercredi, jeudi, vendredi, et là on est samedi. Ça fait 4 fois que vous, 4 jours qu'on vous envoie des messages, 4 jours que hier soir vous étiez disponible pendant une heure, et sauf qu'une heure on était occupé nous. Je sais bien monsieur, c'est un problème. Après moi comme je viens de vous le dire, je suis que comptable, je suis pas directeur, je suis pas responsable de, je sais des, bien, des actions je de mes, sais bien, mes supérieurs. Mais il faut que vos employés fassent remonter dans ce cas là, parce que là, et donc, on a fait remonter comment... mais personnellement je peux pas les obliger à venir, je, là... je fais comment ah, je sais je vais pas leur mettre, je vais pas leur mettre le couteau sous la gorge pour les faire venir. Je sais bien mais je fais comment moi du coup monsieur, est-ce que vous avez une solution à me proposer? Parce que là moi personnellement, là mon argent, là, l'argent de l'État, bon l'argent de l'État, 10 millions qui manquent, plus les 5 millions de la semaine prochaine à partir de demain. Roy. Je les sors d'où? Roy. Et Roy. T'es un peu emmerdé là quand même. Hein. Ah oui, bien sûr que je suis emmerdé. Bon. Je dois des comptes à des personnes. Écoute, c'est pas à moi de les écoute, écoute, exactement. T'es emmerdé en fait là. Là, t'es un peu dans la merde en fait. Parce que t'es tout seul en fait. Tes boss sont pas là, ils payent pas, et nous on arrive, on te fait un numéro de. Digne de grands acteurs, quand même, tu vois. On arrive, et on te demande ta taxe que t'es incapable de payer alors que t'es comptable. Tu trouves normal qu'un comptable n'a pas accès à payer une taxe? Non, j'ai accès au... Alors, vous avez fait combien de bénéfices en 15 jours? En 2 semaines? En 15 jours. Allez, donne-moi le chiffre des bénéfices. Alors, du coup, là, cette semaine, attendez, je vais vous dire ça, hein, je vais pas vous mentir. Je prends juste les bonnes fiches. Alors du coup, là on était en bénéfice cette semaine, on est à 31 866 325 et 68 centimes. Voilà. Tu sais qu'en ne payant pas cette taxe, combien de familles tu empêches de manger correctement, de policiers et de sécurité civile? Ah, moi j'en peux rien. Donc en fait, tu mets en danger ma famille, la famille de mes collègues et la famille de nos collègues de l'institution gouvernementale. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, écoute, écoute, bah, c'est toi le comptable, donc... Pour l'instant, oui, tu es le plus gradé. Fois, je suis pas dire... Aujourd'hui, tu es le plus gradé de cette. Eh, hey, tu me laisses parler ou comment ça se passe là? T'as mangé un moulin ou écoutez... T'es stressé, ça se comprend. Il y a pas de souci, t'inquiète. Mais non, t'inquiète. Moi, je suis cool encore. Tu sais, moi, je discute pas. J'ai l'habitude de traiter avec les gros, moi. T'sais. Tu m'intéresses pas, t'es qu'un comptable. Mais il y a certaines choses que tu es au courant, et c'est ça qui va te sauver, en fait, mon petit Roy. Je sais qu'il y a des scorpions qui viennent dans ta putain d'entreprise farmer ou travailler avec Cordias. Je le sais. Me dis pas non. Ça, moi personnellement, je suis au courant de rien. Je sais. Je... Donc, je sais que écoute. Le casino et c'est tout, mais après, exactement. Je te laisse 30 secondes pour te remémorer vite fait les trucs. Parce qu'il n'y a que ça qui va pouvoir te sauver les couilles aujourd'hui, en fait. Sinon, moi, j'attends le message du ministre. Là, tu vois, je vais lui envoyer un petit message. Sinon, l'entreprise, elle ferme jusqu'à ce que j'ai les taxes. Toi, tu t'en fous. Ça va te foutre dans une merde. Parce que tu seras au chômage, en fait. Le salaire que tu vas pas toucher ton chômage quand l'entreprise va fermer. Bah oui, mais que même si même si tes petits supérieurs ils ont pas envie, ils ont peut-être pas envie que tu touches au compte. Qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont voir que l'entreprise est fermée? Ils vont revenir à l'entreprise, ils vont voir qu'on a mis le. Alors écoute-moi bien, mon petit Roy. Tu vois ce que t'as vu aujourd'hui, des petits mecs en béret de couleur? Bah t'as jamais vu ça en fait. T'as compris? T'as compris ce que je veux te dire là en fait? T'as rien vu en fait? Des petites, lambda, voilà, mais tu sais pas qui c'est en fait. Parce que je te jure, Roy, si tu parles, le béret, il va te servir comme cache-misère. Et c'est pas des menaces, hein. C'est juste un avertissement. Non, c'est un avertissement. C'est pas pareil. Parce que moi, je suis policier. Je suis pas là pour menacer. Je suis juste là pour avertir. Alors, mon petit Roy, c'est simple. Je sais qu'il y a des putains de rebelles qui viennent chez toi. Et je sais qu'il y a des putains de rebelles qui veulent vous prendre des taxes pour vous laisser tranquille sur les convois. Et je sais que vous payez des rebelles ou des bandits pour vous protéger, parce que la police ne peut pas être là tous les jours. Je le sais. Tu vois ce que je veux dire? T'as envie d'être au chômage, mon petit Roy? Est-ce que t'as envie d'être au chômage? Est-ce que ça te plairait pas la place du boss? Prendre la place du boss? Ouais. Ça te dirait pas d'être directeur général? Bah pour avoir des emmerdes pareilles, non merci. Bah c'est pas emmerdé si t'es carré. Merde quand on est à l'heure au niveau de ses payes, voyons. Ouais. Si t'es le PDG, tu serais peut-être apte à me payer du coup. Tu es un directeur général qui travaille légalement, sans la complicité de rebelles ou de bandits que nous on cherche et qu'on malheureusement des fois on est obligé de neutraliser ou de mettre en prison, ça arrive aussi, mais moins souvent. Tu serais un directeur général de confiance pour moi, tu vois. Je te dirais pas de gagner. Ça te plairait pas? C'est ça pas te plairait pas, pas mais Alors, on va faire tomber le patron ensemble.
Moi je te propose sa place à lui après. Prends des mon petit Roy. Tu vas pas te faire. Ah, c'est pas mal ça. Tu contactes ton PDG là, que tu lui dises ouais, tu peux venir s'il te plaît, je suis dans la merde. C'est qui le patron? C'est déjà fait, c'est déjà fait. C'est qui le patron? Il a dit quoi? Là à l'heure actuelle, le PDG. Il est pas là. Il est pas encore revenu de vacances. Alors je l'ai pas croisé. Ah. Bon écoute mon petit Roy, c'est simple, on va repartir comme on est revenu là. D'accord. On est quel jour aujourd'hui les gars? Dimanche, samedi. On revient demain soir. Si demain soir j'ai pas les taxes, je ferme l'entreprise. Tu passeras le message à ton boss. Donc notre petit accord Roy, on va le garder, toi et moi. D'accord. Tu sais pas qui on est, libéré, et moi je sais pas qui est, et cette discussion n'a jamais eu lieu. Je pense que tu veux pas te mêler à ce genre de problème. Oh non, pas forcément, effectivement. Voilà, donc on garde notre accord. Est-ce que j'ai le choix? Non. Bah, si. Je réponds, oui. Voilà, moi je suis quelqu'un de confiance, mon petit Roy. Sauf quand on me la met à l'envers. Y'a pas de problème. Ok, on fait comme ça? Allez, le roi du monde, à demain. Tu passeras le message, hein. Quand, quand on dit taxe demain soir, c'est 15 millions vu qu'on n'oubliera pas la semaine actuelle. C'est pas 10. Allez, on bouge. Ah, j'adore. Je kiffe ce jeu. Directement, y'a rien. Y'a rien qui personne qui répond. Ça sert à rien. Toujours quand même, c'est pas bien. Chaque fois qu'on passe, ils sont en vacances. C'est terrible, hein. Terrible, et là, LCO, ils sont là ou pas? Mais du bon tabac. LCO, ils sont pas là, enfin, ils sont fermés. Salut, Joël. Hé, Joël. Joël, j'ai bien eu ton message. Ah, c'est toi? Et tu peux t'annoncer d'abord avant de dire un truc. Ouais, ouais. Bon, funèbre, tout ça, on s'annonce pas autant. Bon allez, à bientôt, à demain. Un problème, grand schtroumpf. Y'a un intrus. Oh merde. Oh merde. Non, ça, c'est mauvais. Y'a un intrus là. Non, putain. C'est qui lui? Qu'est-ce que tu fais avec une arme toi? Allez, on s'en va. Salut. Allez, rentre dans la bagnole toi. Range ton arme. Je peux aller mettre mon hélico en fourrière, je peux pas le faire. Ouais. Il est où? Il est ouais, où ton hélico de whisky? Dans le tarmac. Faudra changer ton couvre-chef. Salut whisky. Victor, comment ça va? Pourquoi tu l'as pas rangé whisky? Pour la lettre. Tu peux le ranger whisky. Tu l'as donné en RP ou en HRP? Bah RP Octavia parce que bah, c'est dans le jeu en fait que ça concerne. Mais j'ai déjà eu ta lettre. Hein. Merde. T'as quelqu'un qui peut conduire en ma place s'il vous plaît? Tu prends conducteur? Ouais. Merci. Whisky, tu peux le remettre dans le garage si tu veux. Hein. Ah, merde. Non, je peux pas. T'as le panneau? Regarde, t'as le petit panneau. Bah attends, je vais le mettre en fourrière s'il peut pas. Si, il peut le ranger avec le garage à droite à gauche là. Il peut pas, ouais. Il a dit. Ah, si, voilà. Il peut. Non, là, il vient de le mettre en fourrière. Ah, vous me saoulez là. Franchement, ils sont nuls là chez les mecs. Non, non, mais là, il y a une foule là déjà. Là, toi, là, j'ai envie d'en découper un ou deux là déjà. Ah, bah attends, pas tout de suite. Ah bon. C'est le bébé qui avait ça. Pourquoi on m'entend plus? C'est normal, je parle pas. Non, mais personne m'entend parce que c'est normal. Pas quoi. Ah, c'est vrai, un hélico et l'autre. Alors là, on a un mec dans le chat qui est dans un hélico de terre et qui. On fait quoi? On essaye d'aller à la LCO? Eux aussi ils ont des retards, ça. Ouais, c'est parti. Elle est fermée là, LCO. On peut aller fermer, il y a toujours des gens. Attends, mais il glisse le véhicule. Ouais, tu m'étonnes. Alors la mise en scène, pas mal, hein, pour continuer. Vous avez vu comment ça se passe en Syrah? C'est ça que je veux voir. C'est pas des super véhicules, ça. On m'a entendu ou pas, là? Ouais. Ah, là, on t'entend. Il faire les pompes funèbres. Exactement. Vous trouvez des scénarios comme ça, et vous récoltez vos taxes et vous travaillez comme ça. A partir d'aujourd'hui, c'est ça que je veux. Ah bah, il y a le poteau qu'on a décidé autrement. Donc glisser. Ah oui, mais il glisse le véhicule. On peut pas freiner avec le camion dans un virage. Vous êtes déjà bien. Ah, il est surtout parti en drift du cul, et le cul est tapé dans le poteau, et là, le... Ah, d'accord. Bah...
bah tu me l'envoies sur le Discord. Tu m'envoies ta lettre sur le Discord, Octavia. Mademoiselle Octavia. Octavia enfin fait sa lettre ? Oui, enfin. Une lettre d'amour, un poème d'amour qu'elle m'envoie directement pour le colonel. Oh mon colonel, lorsque je vois une hirondelle, j'ai l'impression d'être encore une pucelle. Ouais, j'ai cru que t'allais dire pète-moi la rondelle. Justement, j'allais en venir. Rien à dire. Hop ! Voilà ! Excusez-moi, c'est vrai. Putain, décidément, ce soir, OBS me fait des siennes. Je suis désolé. Dédé, enlève ce micro du ton. Ouais, c'est le gars du micro qui était super bas. Parce que cet après-midi, j'ai fait des essais et ça a déconné. Bon, excusez-moi. Ah ! Vous êtes des gosses. Non, on n'est pas des gosses. La douce voix de Dédé. Pardon, excusez-moi, là, voilà. Ah, vous avez raté quelque chose, les gars. Vous m'avez quand même entendu dans le jeu. Attends, je te l'envoie. Bien sûr, Octavia, pas de soucis. J'ai remercié tout le monde, en fait, pendant les follow, j'ai remercié les abos, les dons. J'ai oublié personne. Non, nickel. Donc, j'ai agrandi aussi mon équipe de modérateurs. Donc, bienvenue à Trifou. Donc, aujourd'hui, je compte 4 modérateurs. En tout cas. Mais c'est soirée taxe ou quoi, là? Et les gars, vous me faites la soirée taxe ou quoi là? Ouais, mais le véhicule il glisse. Oh. Écoute, ça peut être sympa d'aller les voir. Apparemment, ils sont censés être fermés. Ah! Allez, on est toujours les pompes funèbres. Oh la vache, il y a du pognon ici, hein. Ah bah ouais, c'est ça. Oh la vache! Ah ouais! Ah ouais, ce serait quand même bien. Oh la vache, putain, c'est super bien. Hola, amigo! Comme estas? Ouais, très bien. Ah, oh, c'est super bien. Nous sommes la nouvelle société de pompes funèbres officielle de Kavala. Nous ramassons les morts de la police et de la sécurité civile. Donc nous savons aussi que vous avez beaucoup de morts sur les chantiers, tout ça, lorsque vous minez fer. Or. Or ou fer, ici. Or, ici. Donc voilà, Nous vouloir venir nous présenter, toi, moi te donner ta carte là, hop, pompe funèbre, voilà, toi avoir ma carte pompe funèbre, numéro 89, le numéro. Bonjour, 89. Définis, je passe, excusez-moi. Ah, excusez-moi, inspecteur, des travaux indéfinis. Il est pas censé passer, monsieur. Non mais si, lui inspecteur, lui passé. Lui inspecteur, lui faire ce qu'on lui veut. Lui il est venu chez moi tout à l'heure, il m'a pris 3 millions de taxes. Il m'a pris 3 millions d'euros de taxes. Ah. Monsieur. Oh, barrière. Pourquoi barrière automatique? Oh, ouvert. Fermé. Ouvert. Fermé. Ouvert. Fermé. Ah, c'est rigolo. Regarde, ouvert. Fermé. Ouvert. Parce que je vais bientôt partir travailler. Fermé. Ouvert. Fermé. Je ne sais pas qui vous êtes, je n'ai pas. Mais. Mais s'il vous plaît. Lui, toi, fermez ta bouche, toi, maintenant, parce que moi, discuter avec lui. Écoute, moi, venir discuter avec toi, parce que. Toi, t'es dur. Tais-toi. Inspecteur, va faire de l'hélicoptère ailleurs, là-bas, s'il te plaît. Comment ça, de l'hélicoptère? Je continue mon inspection. Ouais, continue l'inspection indéfinie. Bon, tout ça pour dire que moi, police, venir me voir et demander taxe. Mais moi pas encore avoir fait bénéfice en fait. Donc moi besoin d'argent. Donc moi venir travailler ici. Ah, possible. Là tout de suite je suis pas encore ouvert mais si vous. Si voulez, toi ouvert. Non toi ouvert. Non moi fermé. Non toi ouvert. La durite elle est pas bonne là. Si toi ouvrir société. Oh, toi, voiture. Oh la vache, toi, belle voiture. Oh la vache. Oh la vache. Oh, toi, beaucoup pognon. Toi, beaucoup pognon. Donc, tout ça pour te dire que moi. Bon, et moi, je peux parler. Bonjour, messieurs.
Toi chef ou pas chef? Ouais, chef, voilà. Il est pas là. Chef, toi chef, lui chef, lui intérimaire, oh lui pas parler. Non mais toi dégage. Toi faire tour là-bas s'il te plaît. Et donc moi venir travailler maintenant. Mais là tu veux on va partir faire quelque chose et après on va là ça se trouve. Non, possible ça. C'est pas possible. Bah si si si, tu vois, ouvrir sinon moi prendre toi. Vous me sortirez votre carte d'identité. Pourquoi prendre moi? Moi prendre toi comme femme à moi. Claquer petite fesse sur hanche à moi. Si c'est pour célébrer non. Cette union entre deux personnes. Toi déjà avoir masque d'infirmière et moi aimer beaucoup infirmière. Bon. Mais bah, inspecteur, eux pas vouloir payer moi. Comment ça ils veulent pas payer les filles. Ils veulent eux pas vouloir payer moi. Bon, toi pas comprendre en fait, moi venir chercher ma taxe chez toi en fait. Voilà, tu comprends mieux. Vous avoir carte. Non, pas carte. Moi prendre argent à toi pour moi. Moi pas donner argent à n'importe qui. Ok. Toi me pas laisser le choix en fait. Ah, ok, venir avec camion fermé entreprise. Eux otage, pas de soucis. Voilà, toi otage à moi maintenant. Non, c'est braquage. Toi pas. Braquage. Si toi pas comprends, si toi stupide, moi pas problème. C'est ma carte de l'inspecteur du travail. C'est pas si vous bizarre, moi pas moi c'est marqué nom, mon prénom. Parce que vous êtes la personne la moins bizarre, je crois, ici. Pep, demi-tour. Ah bah, pap. Eh, moi pas rigoler avec toi en fait. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce. Allez. Toi, donnez-toi argent à moi. Vite. Allez, hop. Allez, moi, allez dans ton bureau maintenant. Allez. Bah, on s'en fout, maintenant, allez. Bah. Oh là là. Toi, faire quoi, toi? Toi, dégage. Sinon, moi, allumez-toi. Allez. Moi, vouloir aller bureau Ferrara, maintenant. C'est ça que je les ai jamais vus. Toi, pas comprendre, en fait. Toi, dur de feuille, hein. Toi, feuille de platane. Toi, feuille de cannabis. Toi, rien comprendre à ce que moi dire. Le bureau, c'est pas là-haut. Hein. M'en fous, c'est en haut, maintenant. Moi, j'ai décidé, entreprise à moi. Entreprise à vous. Oui, entreprise, maintenant, à moi. Du coup, moi, virer, c'est ça? Non, toi, garder. Toi, faire salope à moi. Allez, monte. Avoir besoin de nous donner argent avant et après, toi, fut. Toi faire cochonne à moi, allez. Quoi, cochonne? Il y a des prostituées dans l'entreprise? Non, lui passer sous boulot pour salaire. Ça marche? Toi faire ça pour moi? Toi faire ça pour moi ou pas? Toi faire cochonne pour moi? Ouais. Si, pour moi. Toi. Est... Non. Petit gamin là, où est bureau là? Où est bureau? Où est boulot? Il y a pas de bureau ici, c'est en bas. Je vous l'ai déjà dit avant. Toi foutre de ma gueule, moi avoir monté tout ça pour rien. Bon alors, toi asseoir par terre. Toi, assis par terre, ici, maintenant. Allez, hop. Monsieur, je vous explique. Je vous explique en deux mots. C'est monsieur ici présent. Poulet. Voilà, ont perdu des filles de l'Est, d'accord? Et soi-disant qu'elles sont employées chez vous. Alors expliquez-moi tout, là, parce que ça va pas aller, là. Oui, eux, vous les femmes à moi. Voilà, vous avez volé la femme à celui-ci. Moi, avoir 5 femmes à mon service. Elle trottoir. Ils ont pété un peu. Les avoir. Elles sont où? Eux, les avoir fait les travaux. Allez. Bon, moi. Ils vont retourner faire les tacos. Oh, toi, rentrer dans le placard et toi, fermer. Allez, rentre dans le placard. Quoi, les femmes? Rentre dans le placard. Prends dans le placard. Monsieur, pourquoi vous avez moi travailler pour ta cul. D'accord, j'appelle le ministre, vous avez capturé des femmes des pays de l'Est. J'appelle le ministre. Mais qu'est-ce qu'il a pas que ça à foutre le ministre? Habituellement travailler pour ta cul. Allez. Hé, toi, casque blanc, derrière moi. Les trois autres dans le placard. Allez, les trois dans le placard. Yes, oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris. Des femmes de l'Est ont disparu, ils travaillent ici, dans les placards. Qui est le responsable? Ah, monsieur le ministre, il a pas de Louis, est responsable. Vous êtes le responsable? Monsieur, mettez. Attendez, où sont les femmes? Il y en a pas. Salut, Dimars. Où sont les femmes? Ah, si. Il y en a pas. Ne mentez pas, retirez-moi ma chambre. Salut, Jackson, ça va? Bon. Bon, écoutez, vous trois descendre en bas parce que moi pas discuter. Moi pas discuter avec vous. Allez, en bas, où?
toi dégage. Oust, Oust, toi descends. Vite prison. Bah, non, j'arrive là. J'arrive. Je vais écouter encore un peu. Voilà, toi venir, viens, viens ici. Allez, toi maître voix faible. Maintenant. Ça, c'est ça, les gars. Oui. Bon, toi pas comprendre, nous police. Alors, file-moi ta taxe. Ah, moi la comprendre. Quand ça parle français, moi comprendre. Bon, c'est la police, là, file-nous ta taxe. Bah, ça tombe bien, j'ai accès au compte. Ah, bah voilà. Juste... Bon, par contre, si toi balancez nous, moi coupez-toi. Oui, oui. Oh, présentez trois cartes. Ok. Ah, bah oui. Bah, c'est les frères, ça, en... Ah, oui, tu me reconnais mieux d'un coup. Ah, c'est vrai. Donc tu me dois dire, hein, parce que je fermais, hein, 5 ça. Millions plus 5 millions par semaine. Mais quel talent. Ah, foutu en masse. Eh, monsieur, si vous avez pété un peu. Dimanche, tu vas pas nous faire un igneux pour une journée. Moi, faire et. Moi, rousse, moi, travailler dans cirque quand j'étais petit. Monsieur, si je coupais, vous avez pu pouvoir travailler. Si je te la donne, t'as rien coupé à moi. Moi, coupé toi. Tu vas pas te faire taper, c'est moi le patron. Moi, coupé ton, hein. Ah non, mais non, je reviens pas. Ah, je reviens pas demain pour 5 millions. Ah non, non, mais non. Mais non, c'est pire que les fourmis, oh. Tu tapes. Non. Attendez, on peut voler leur fourgonnette au pire. Vas-y, vole. Touche à ma voiture, et tu sais même pas comment tu vas finir. Oh là là! Bon, ça va, mon petit Stivers? Bah écoute, j'ai un très beau casque, comme tu peux le constater, avec des écouteurs intégrés. Ah, je vois ça, c'est génial. Ah, c'est de la balle, hein, ce casque. Bon, hein. Regarde, mon bonnet, il est Bluetooth, regarde. Quand je parle, hop, on passe la musique, tu vois. Hein, hop. Bon, c'est beau, grand schtroumpf, là, quand même. Hein. Ouais, mais c'est un peu ça, en fait. Il te faudrait une barbe blanche, en fait. Ouais, et, putain. Ah ouais, c'est pas con, ça. Faut passer incognito, c'est pas mal. À sortir 10 millions là. Ah. En fait on passe super incognito comme ça. L'argent des taxes. Oh c'est bon, j'ai l'argent, on peut se casser Mounier. Bon, il est où Ramon là? Et Ramon, si tu parles à quelqu'un que t'as vu des flics avec des bonnets de couleur, ça va chier, t'as compris? Ouais. Voilà, merci. Le petit bonnet. Au revoir Ramon. Bonne journée toi, au revoir, bisous. Oh, toi pas toucher voiture. Toi pas toucher voiture à moi. Recoule. Recoule comme le pigeon là, recoule. Ah non, mais les Mexicains c'est les burritos, c'est pas les pigeons. Ah, les Mexicains c'est la drogue. Hein. Là, ah ouais, c'est vrai. Ah, et là ils ont fumé un joint avant de venir. C'est la marijuana, c'est bizarre. Non. Ah mais c'est moi, ça fait gueule la marijuana. Ah mais j'ai pas agi... Comment dire? J'ai toute ma bouffe dans ce véhicule. Bon vent, hein. Journée, monsieur dame. Bon bah, hein, les beaufs ils s'en vont. Hein. Ouais, les Mexicains ils vont. Bye bye les beaufs avec leur voiture. Mexicain. Ok, la prochaine entreprise c'est quoi, la LC? Non, c'est bon, après on fera ça c'est demain ou dans la semaine, bon. T'inquiète, c'est déjà tout est fait. Ok, on se... ah. Hein? C'était juste les deux seules entreprises avec du retard, et encore la LCO ils avaient un peu d'avance la semaine dernière, mais là, la OIL ils étaient en retard de fou. La DC ils en sont où? La DC ils ont payé cette... là, demain, à partir de demain, je pourrais aller leur chercher leur tour. Bon bah y'a plus qu'à trouver d'autres mecs de la SEC qui sont armés. Route principale, apparemment. Ils avaient soi-disant un camion, je sais pas quoi. Ouais, ils ont tapé les utilités à la coca. Ils ont quoi? Ils ont récupéré dans la sec, ils ont récupéré un camion de coca qu'ils ont donné à Viper. C'est ça, non? Ah ouais. Mais non, il y a marqué le camion, vous intéressez. On a un camion de cocaïne sur le séchage, venez dessus. Non, venez dessus. Merci cordialement. 44, 155. On regarde l'appel. 44. Oui, ils nous l'ont donné, ils ont fait notre travail. Ouais. Non, ils sont 44, 155. On va pouvoir aller pointer au chômage. Hey Jeff, mon dédé. Je viens d'y penser. Si à chaque fois que toutes les entreprises, dès qu'ils me voient et que je leur présente le faux papier de Jeff Tuch, ils me
donne les taxes, tu crois que je peux ne pas prendre mon service et aller chercher les taxes comme... Bah oui. Et les mettre dans mon compte? Exactement. Et on partage tous les deux comme... Alors je prends 80%, tu prends 20%. Ah non, bah non, on fait plus 50-50 ou 60-20, 64 grandes pour toi. Moi je te balance. Moi je pense en fait que tu toucheras zéro parce que t'auras les pieds devant. Les pieds devant? Bah oui, il va tout prendre, il va t'en coller une et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai fait pour passer derrière moi. Téléportation. T'avais consommé trop d'alcool. Non, non, nous on roule dans le TARDIS. Ça bug, hein, ce soir. Ouais, c'est violent. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Hein. Ouais, je crois qu'ils l'ont récupéré déjà, le camion. Ouais. C'est quoi là-haut? C'est quoi dans l'hélicoptère là-haut? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais faut qu'on aille à la BN ou pour la... Bon, on va voir. Sur le toit là, allez sur le toit. J'ai la BN déposé l'argent dans le... Hey, y'a un Elk. Monsieur de la sécurité civile, elle est pour lui. Y'a un mec menotté. Y'a un mec menotté. Un bordel. Jeff, allez déposer l'argent et puis rejoignez-nous. Comme ça, on peut tourner là, voir si ça se passe un peu. Ouais. Il y a la secte, ils font des contrôles. Tu vois, il y a un éternel. Il t'éloigne pas trop non plus. Hein. Pas qui c'est qui conduit la faute. C'est Dédé, non? Ah, c'est Dédé qui conduit. Hein. Pas vous, mais moi j'ai mal aux yeux. Hein. Ouais, pareil. Également. Aux yeux. Ah oui. Ça c'est depuis le début. A tous de DD. A tous de DD. J'entends pas à DD. Vas-y, ouais, sur l'angle. Vas-y, sur l'angle. A tous de DD. Ça fait 30 secondes. Crash. J'ai des civils ou des personnes menottées au terminal, besoin de renfort urgent. C'est reçu, on arrive de Cobra. On arrive de Cobra. Vous me contrôlez tout ce qu'il y a au terminal là. Même personne noire. Tout le monde. Il y a des mecs menottés au sol. Ah ouais. Bijou, messieurs, s'il vous plaît, c'est ici qu'il y a casino pour jouer de jeu. C'est ici qu'il y a casino pour jouer. Tu voulais plus faire jouer. Oh, oh flic, moi parti. Oh là, oh là, au revoir, monsieur. Oh là, oh là, oh là. Excusez-moi. Vous nous contrôlez aussi, hein, naturellement. C'était qui le mec attaché sur vous? Costard noir. Non, pas du tout. Non. Personne. Pas à notre connaissance. On peut procéder à une fouille générale pour voir si vous n'avez pas des menaces sur vous. Quoi? Attends, on n'a pas arrivé à sortir. Casse les coins, j'ai pas entendu. Si, purée, c'est long pour sortir. Ah si, si. Hey, faites-les venir. Nous pouvoir partir, monsieur l'agent? Nous pouvoir partir ou pas? De toute façon, c'est très bien, c'est qui vous regarde pas. On répond? Ah, toi, possible. Arrivé de cette peur, un fou. Vous ressemblez tous ici, s'il vous plaît. Là-haut, là-haut. S'il vous plaît. Où on peut grader de votre organisation? Info sur terminal.
On a un monsieur qui vient de reposer des trucs sur sa voiture. Merci. C'est... Confirmez-moi, c'est la 7. Oui. Oui. Bon, bon, ok. De toute façon, il y a un mec en costard noir qui a été en tenue noire, qui a été menotté au sol et les armes en main. Pour contrôler un véhicule sur la piste d'atterrissage. Ils ont fait les cons ? Non. Je prends avec des volets. À un moment, vous dites, ouais, parce que vous le voulez. Moi, je prends avec des volets. À un moment, vous voyez qu'il y a des civils menottés et maintenant, on est en voir. Moi, j'ai pas envie de dévoiler, d'accord ? Quand je vois qu'il y a un L4 qui passe sous la BA toutes les deux secondes, ça se fait pas. D'accord ? Alors maintenant, vous arrêtez d'abuser de vos droits. Vous mettez là-bas, dépêchez-vous, là. Je vois tout le monde là-bas. Voilà, oh c'est chaud, hein, monsieur. Compliqué, hein. Ah, c'est compliqué ici, hein. Comment ça, c'est compliqué? Bah, ouais, j'ai vu un monsieur meloté par terre, là, tout à l'heure. J'ai eu peur. J'ai vu un monsieur. Vous avez pas vu un monsieur meloté par terre tout à l'heure? Ouais, juste par là-bas. Là-bas, il y en avait un à terre, là-bas. Quoi? Quoi? Oh, barbe. Oh, joli. Moi, aimé, barbe. Ah bon, moi grand je trouve. ils n'ont pas schtroumpfé, non? Bah j'en sais rien. Vous avez rien vu? Non, mais putain. Je devrais faire un véhicule là-bas. Ah oui, moi j'ai vu un monsieur menotté ici, moi. Alors, peut-être. On va avoir peur. Toi, protégez-moi, s'il te plaît. Mon père. Oh, ou toi, toi avoir fait caca il y a pas longtemps. Oui, j'ai peur rien. Ah oui. Vous êtes... Ouais, tu as transpiré des fesses. Ça sent. Ça sent encore. Pardon. Ça sent encore. T'as un numéro de téléphone toi ou pas? Non, pas par là, ça sent interdit. C'est pourquoi? Convoi Viper, on est arrivé sur la zone, on vous laisse. Bah, du coup, je te trouve beau gosse. Je te trouve beau gosse. Je suis sur la route vers la BA, hein, j'ai un ML en déjà. Ah, et alors toi, moi, pas plaire à toi? Tu as jamais fait l'amour avec un schtroumpf? Non, jamais. 150 km. Oh, oh, police, 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 police. Police, s'il vous plaît, police. S'il vous plaît, police. Pas voiture, schtroumpf. Pas ma schtroumpf car. On a aussi une BMM4 qui est à 153. Dormino à Sierra. Transmet. Allez, dépêchez-vous. Moi, j'ai besoin de disqueuse. Bon. Quelqu'un a voir la disqueuse? Allez, on bouge, les gars. Sierra Lille, trois fois. Transmettez, Sierra Lille. Ouais. On aurait apparemment quelqu'un de chez vous qui aurait dit à la secte comme quoi on leur donnerait quand même la moitié. Même si selon le contrat, en fait, ils nous ramènent pas. Rien du tout! Que dalle! Pas du tout, y'a personne qui a dit. Que dalle, y'a pas d'accord avec nous. C'est bon. Ah, du coup, c'est rompu. Quel rompu? Y'a aucun accord avec la secte? Moi, j'ai aucun accord personnellement. Toi, t'as rompu et toi, accord ministre? Y'a un accord avec le ministre? Si, y'a un message qui a été mis. Accord avec le. Moi, je l'ai pas vu encore ce document. Bah, c'est les armes dans la voiture. Les armes dans la voiture. Du coup, de Cobra, on fait quoi? On prend les armes dans la voiture en partout, c'est bon? Ils ont le droit d'avoir des armes dans leur voiture, à ce que je sais. Mais c'est tout. Je sais, oui. Mais, on m'a dit mais pas sur eux. Donc, bah oui, parce que moi, je suis passé devant. Et en fait, ils avaient un mec menotté au sol. D'accord. En fait, non, je vais vous faire compte. Si, si, on a le droit de les fouiller. Seulement, ils n'ont pas le droit d'avoir d'armes sur eux ni de matériel illégal. Ils avaient que des trousses à outils sur eux et du surflex, etc. Des trousses à outils noirs ou jetables? Trousses à outils noirs, bien sûr. Trousses à outils noirs. Ah bah ça dégage, vous les prenez. Ok, donc on prend les voitures, on prend tout ce qu'il y a dedans et tout, c'est bon? Non, pas dans les voitures, tout ce qu'il y avait sur eux. Ça marche. Bon allez, Sierra, vous venez dans les voitures, s'il vous plaît. On s'équipe police. Allez, on s'équipe police, les gars. On vous attend avant de commencer. Merci. Ah, on va mettre le gilet Schtroumpf.
ça pas mon gilet à moi. Ah putain, mais j'ai tout enlevé. Ça pas mon gilet à moi non plus. Par contre, on a plus même de secours. Il est à côté, il est à côté. Qui a mon gilet à moi? Neg. Non, t'as gagné là moi. Je sais pas. Ouais. Mais elle est partie. Il est M249 par T1. Bah, j'ai mis dans la voiture, j'ai mis dans la voiture. Qui a voir de derrière moi là? Pas nous, pas nous, il y en a un là. Si, il était là, j'ai la voiture. J'ai mis un. On est tous habillés là? Les gars, on est déjà habillés. Si, c'est là, il est derrière moi. Ah, pas cette fois. Bon, les oh, la sec là. Oh, la sec là. Maintenant, c'est clair. Écoutez-moi bien là. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Parce que je ne répéterai pas deux fois. Si la prochaine fois, écoutez-moi bien, je retrouve du matériel sur vous, c'est la tôle. Là, on prend tout ce qui est égal sur vous. Votre accord avec le ministre, c'est pas mon accord avec moi. Que ce soit bien clair. Tout matériel de guerre doit être dans votre véhicule. Tout ce qui est hors véhicule m'appartient. Donc tout ce que vous avez à vous, c'est par terre aujourd'hui et ça m'appartient. Autre chose, si je vous chope avec des otages de la CAM ou un otage, ou si vous tirez sur quelqu'un, je vous jure, et ça vous pouvez pas le message à votre gourou, je vous chope, je vous torture et je vous fais en tôle. Est-ce que c'est compris? Maintenant, et toi tu parles pas avec moi. Bon allez, vous me l'embarquez lui. Vous m'embarquez. Bon, le motif du contrôle, les gars, il y a un mec menotté au sol. Voilà le motif du contrôle. Donc maintenant que c'est bien clair, vous êtes pas la loi ici. La loi ici, c'est moi. Que ce soit bien clair. Maintenant, vous me l'embarquez. Tais-toi, toi. Tu parles pas avec moi, toi. Monsieur, vous étiez armé là? Mais non. Ben, allez, vous me l'embarquez. Non mais alors, les gars, vous avez un... Ils parlent mal avec moi, donc j'embarque. D'accord, alors, je m'occupe non. De... Non, c'est trop tard, je l'embarque. GoPro, ok, hop là, vous me l'embarquez aussi, lui. Quand c'est, il aura plus le GoPro. Allez, c'est parti. Vous me l'embarquez aussi. Christian, t'as quelque chose à dire aussi? Allez, vous me fouillez tout le monde. Vous enlevez toutes les caméras et tous les appareils photo. Tais-toi, tu parles pas, toi. Allez, hop, c'est pas grave. Vous me lotez tout le monde, vous fouillez tout le monde. Affi. Conseil, on laisse leur véhicule. Allez, main sur la tête. Les choses illégaux, on embarque, on emmène à la BA, c'est bien ça. Voilà, vous embarquez tout le monde. Le conducteur de Railnet, il a un travail. Ils sont où les schtroumpfs là? Un accord avec le gouvernement. Mais tais-toi avec ton accord, tais-toi. Il n'y a plus d'accord. C'est terminé les gars, vous faites de la merde. Ça c'est quoi? C'est normal qu'il y ait un L4 là? C'est normal? Ouais, c'est normal un L4. Allez, on se casse, on embarque tout le monde, vous enlevez caméra et photo. M'en fous, t'en fais partie, allez. Ah ouais, mais parle mieux. Quoi, parle mieux? Tu parles autrement, tu sais pas qui je suis moi. Tu te parles pas comme ça avec moi. C'est compris? Tu parles pas comme ça, ouais, mais vas-y, on l'embarque aussi celui-là. Toi tu fais trop le foot. Hein? Ça le prend. Allez, on embarque tout le monde. Allez, hop, terminé. Ils sont plus à l'aise comme ça. Ok, CPA, vous me recevez? Ah si. Vous me suivez le L4 de la secte là. Bien pris. Je me sors pour ils ont de l'équipement sur eux. Mais reçu, équipement illégal sur eux, c'est pas un accord, ils se trouvent tout permis ces gens-là. Il est terminé, je vais voir le ministre. Pour être sûr, ils ont pas gilet sur lui, le coup. Ok, ils tortent. Écoute, fiston, t'es qui toi? Oh bah ça tombe bien, tu vas parler avec moi toi. Il y a un petit problème. Toute la secte qui est avec l'équipement illégal sur eux. L'accord, c'est dans les véhicules, c'est pas sur eux. J'ai pas trouvé de véhicule de la secte, moi, donc on a juste trois bonhommes de la secte là pour le moment.
Bien reçu. De toute façon, j'ai des preuves sur eux où ils torturent des gens, ils coupent des couilles à des civils. Quoi, vos véhicules, monsieur? Bah voilà. Bon, qui est bijoutier de ce qu'on a entendu. Ça en est rien devant là, ça en est rien. On a fait ça aussi. Ce matin. C'est impressionnant, on fait tout un tas de choses, on a pas beaucoup. Eh ouais, mais les gars, quand on a. Oh, on parle. Ouvrez-moi ces putains de BA là. T'es qui toi? J'ai un voix pour ouvert. J'espère pour DD. Barre-toi. On se met. Pour l'instant, il est couché de la BA là, il est en train de se battre. Mets tes mains sur la tête ça. Ah bah vous le faites fuir. Allez. N'oubliez pas que le code noir est enclenché. Allez. On peut plus t'attendre, disons. Allez, pour tous les vipers, on se met en protection autour de la BA, pareil, hein, on sait jamais. Oui, bah, on n'est pas des rigolos, nous, les gars. Faut pas que vous oubliez ça. Non, mais je m'en fiche. Eh ben, je vais t'expliquer. C'est toi le plus gradé? Bon, bah, tu vas partir avec moi, toi. Allez, t'es dehors ou pas? Ah, non. Allez, viens avec moi. Attention, quoi? On se met? Bon, bah, on a voulu se mettre au-dessus de lui pour communiquer avec lui, il a pété son retard. Après Brahid, moi je propose qu'on les stocke tous dans un box pour écouter les traitements. Ok, vous les stockez à l'extérieur, moi je prends le chef avec moi. C'est pas vite pour des. On se met. Quand l'hélico va se poser, je veux qu'on fasse quoi? Qu'on se pose et qu'on l'intercepte? Afi, vous l'interceptez, vous le soignez, vous faites ce que vous avez à faire. Viper, on est avec vous, on va essayer de rester en dessous de lui, on va vous aider aussi. Appelez-moi votre plus haut gradé. Ok, bien pris Viper. Appelez le plus haut gradé qui est présent. C'est qui toi? Appelez-moi le plus haut gradé qui est présent, je veux voir le plus haut gradé. C'est qui es-tu? Non mais moi je veux voir le plus haut gradé. Je t'ai pas demandé, peu importe, qui es-tu? Bon attends, j'ai des problèmes de cerveau. Pep, le civil, le civil. Moi je suis de la sec. Allez, je parle. Allez, main sur la tête. Non. C'est bon, tu m'entends? Main sur la tête, c'est un ordre. C'est pas discuter, c'est un ordre. Allez, monte. Allez, monte. Monte. La sécu est contactée au cas où. Ils seront là dès que possible. Ah, t'es... Oh, je suis là. Bon! Allez, viens! Mets-toi là! Attends, bouge pas! Alors, ça, je te l'enlève. Et cette chargeur. Hop, petite photo qui va bien. Voilà, une petite photo. Faites gaffe, hein, s'ils ont une parachute, ils vont vouloir se parachuter. Vous voulez où celui qu'on vient d'attraper? Bon, je te détache. Bon, tu vois ce que t'as sur toi là? Les chargeurs. Voilà, c'est interdit ça. Non, tu les enlèves. Écoute-moi bien. Votre accord avec le ministre, c'est quoi? D'accord avec le ministre, c'est qu'on ne doit pas être armé. Voilà. Devant des civils ou devant des rebelles. Exactement. Exactement. Oui, bah, je joue pas sur les mots. Alors, je vais t'expliquer un petit truc, mon petit gars. L'accord que vous avez avec le ministre, à partir d'aujourd'hui, je vais m'en occuper personnellement. D'accord? Moi, quand je vois des mecs de la secte qui me torturent des civils, qui me braquent des gens, qui menacent et qui tatanent et qui menottent des civils, bah, moi, ça me va pas, en fait. Surtout. Avez... Ah, papa, oui, oui. Non, mais alors, il n'y a plus d'informations. Eh ben, c'est trop tard. C'est trop tard. Eh ben, justement, c'est trop tard. Si tu surveilles pas tes gars, c'est plus mon problème. C'est qu'ils font de la merde. Maintenant, vous êtes tous embarqués pour équipement illégal, d'accord? Alors, manque de peau, c'est que je passe devant l'ancien casino et je vois tes gars faire joujou en train de menotter des gens et c'est... Oui, t'as bien compris. Un mec habillé en noir a été menotté là-bas au niveau du garage. Donc, j'ai... Ah bon, bah, alors, explique-moi pourquoi il est habillé comme toi. Je vous le dis, il y avait tout un tas de mecs qui étaient là-bas, il y avait tout un tas de civils. Il y avait même deux ou trois mecs qui étaient habillés exactement comme nous. D'ailleurs, on vous a ramené un camion de cocaïne. Ouais, non, mais on s'en fout de ça. Mais il était habillé exactement comme nous. Bon, alors, tu te retournes s'il te plaît. Tu mets les mains sur la tête. Donc, équipement illégal sur soi, pour moi c'est interdit. Et votre accord, je vais en parler avec le ministre. Quand vous savez pas respecter un accord, c'est plus mon problème, les gars. Et si vous savez pas gérer
vous hommes, c'est pas mon problème non plus. Tu vois ce que je veux dire ? L'accord du ministre, c'était justement de ne pas être un... Exactement. Voilà, et ben c'est trop tard. Je pense pas que ça puisse considérer ça comme de l'argent. Ah bon, c'est quoi alors ? Et tes trousses noires, tu les as chopées où ? Tu les as trouvées où, tes trousses noires ? Quelles trousses noires ? Les trousses noires de tes gars, là, ils viennent d'où ? Bah, je sais pas du tout, je sais pas quoi. Voilà, bah voilà, bah renseigne-toi. Manque de peau, c'est que tes hommes ont tout foutu en l'air. C'est con, hein ? Bah justement, je pensais que... Bah ouais, bah tu régleras ça en interne. Je sais pas, je me suis perdu. C'est pas mon problème, ça. Il y a tout le monde dans les box et tout, moi je... Bah ouais, je suis pas gradé ou quoi que ce soit spécialement, je suis juste là pour m'occuper d'eux, là, le temps qu'il y ait personne. Bah ouais, bah tu fais mal ton boulot, mec. On avait dit oui pour les armes, mais il y a des braquages. Allez, vous en avez un autre, là. Je sais que moi, plusieurs fois... A tous, est-ce que vous... A tous, est-ce que vous me recevez ? Vous me prenez des photos de tout leur équipement, trousses à outils, armes... De DD, vous me prenez des photos, trousses à outils, chargeurs et armes sur eux, c'est compris ? Est-ce que c'est compris ? Du coup, DD, en fonction de ce que tu as dit, des preuves de torture, tout ça, moi je colle dans le dossier, t'es sûr qu'il y a des preuves. Ah, fille. Allez, en cours. Il s'est posé au camp. Mais le chip pour DD, il y a le ministre qui arrive au camp. Ah bah ça tombe bien. Allez les copains, vous me mettez tous dans le box, deuxième box. Vous me mettez tous dans le deuxième box. Les enfants, allez, dans le deuxième box. Du comité d'accueil là, un comité d'accueil aérien. Oui, on sait. Donc monsieur le ministre, nous avons arrêté. Bah, le colonel est là pour. Bah vous êtes avec moi, tu es avec moi Gaëtan. En pause les gars. On risque d'avoir la visite. Yo, ça va Badane, ça va? Bon, la secte a chié dans la bulle. T'es où ? Ah, t'es là. Vas-y. Bon, je suis passé devant... j'étais en train de récolter mes tacs. Je passe devant l'entreprise, l'aéroport. Et ouais. Je vois la secte qui ont menotté un mec au sol habillé en noir. Sans mec. Ouais. Donc, du coup, j'ai demandé à la police d'intervenir, étant donné qu'il y a toute la secte. Et ils ont des trousses à outils de la police sur eux, des chargeurs sur eux, des armes sur eux. Mmh. Ton accord, c'est quoi ? C'est bien dans la voiture. Ok, est-ce que tu leur as donné l'autorisation de survoler les zones sensibles comme le BA en hélicoptère armé ? Deux, j'ai la gueule d'autoriser ça. Bah voilà, bah écoute, donc les petits gazeux, j'ai donné l'ordre de les arrêter et ils seront sanctionnés pour trousse illégale de la police, hein, parce qu'à mon avis, et j'ai des civils qui ont déposé plainte. J'ai des civils qui ont déposé plainte pour torture. Ils ont torturé des civils. Non, je sais pas. Ah bah depuis le début, hein. Il y a Tatane, il y a tout ce qu'il faut. Drago pour lead, bien joué, nous on décroche. Ok, merci. En plus... Par contre, le corbeau, là, le corbeau blanc, en tout cas, ouais. Si vous pouvez l'abattre, faites-vous plaisir. Le corbeau blanc, le corbeau bleu. Le corbeau blanc, là, le L4. Ah il oui. Il a failli renverser deux véhicules en rasmot, et il nous essayait de nous foutre dans la vallée. Tu sais, côté, t'as le virage à mort, bah il a essayé de nous foutre dans... Donc, écoute, si les mecs, ils ont un accord avec toi, c'est bien, mais qu'ils le respectent pas, ça m'emmerde. Ouais, bah, je crois qu'on va le dire. Voilà, donc tu vois, midi à ta porte, mais moi, j'ai donné l'ordre de les interpeller, surtout quand je vois des trousses à outils sur eux et des armes sur eux, quoi. S'ils respectent pas la chose, c'est... De Cobra 4, pour Cobra 2. Donc voilà, et sachant que j'ai des civils qui portent plainte pour torture sur eux, hein. Bon, ben, là, c'est le plus machin, donc le contrat est réglé. Voilà. Bon, attendez. Tous les marshals, vous prenez votre hélicoptère, vous allez emmener les prisonniers à faire les peines, tout ça. Bon ben voilà Gaëtan. Je suis désolé hein, de ton accord, mais là, moi je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Pas possible. Exactement. Après le gourou, je sais pas si c'est le gourou ou le patron, non, c'est ça ? Ah ben le gourou, s'il contrôle pas ses hommes, c'est pas mon problème. Ouais, c'est bon. Ok, c'est confirmé par le ministre, il n'y a plus d'accord. On embarque tout le monde pour détention d'équipement illégal. Bon, bah alors là, pour t'aider. Transmet. J'ai les mecs de mon hélico dans mon hélico que je fais. Ok, Cobra, Viper, etc. vont les traiter, un par un. Association d'enquêteurs, armes illégales, tout. Prise d'otage. Acte de barbarie, agression physique et morale, prise d'otage, tout ce qu'ils ont fait.
Ok, à tous, bah vous me traitez tout ça, effectivement, sachant qu'il y a torture sur des civils aussi. Donc rien pour l'humanité, les gars. Il y a L4 qui est acte de rébellion aussi, du coup. Bah oui, surtout quand ils ont m'apparu à la BR. Allo, les mecs, tu fais rien à la BA là. Et on a besoin de quelqu'un sur CPA. L'autre CPA. Allez, on bouge. Vous pouvez couper les L4 si vous êtes au sol, s'il vous plaît. Ok, à tous, pour Viker Cobra qui fait rien, vous assurez la sécurité de la BA, s'il vous plaît. Il y a le ministre, il y a les marshals, il y a des prisonniers sensibles et il y a toute la police. Allez, c'est parti, les chefs d'escouade. Bravo pour ces PAB. Transmettez. Nous, on vous tient à la prison ou pas? Compliqué, hein. Affiché, j'ai besoin de vous à la prison. Attends, je vais faire avancer mon. C'est bien pris, on parle de DR. Salut, Teko. Qui lui? C'est qui lui? Il y a beaucoup de monde devant la BA. Pardon. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes joué? Oui. Est-ce que monsieur le ministre est là? Fermeture des portes. Quoi? N'oubliez pas de joindre des photos avec les procès-verbaux. Hein. Important. Est-ce que vous pouvez mettre les photos sur le satellite Discord, s'il vous plaît, du coup, parce que tout le monde a pris la photo. Bien sûr, on va rester devant. C'est période de GG. Par contre, on m'a demandé de venir à la prison directement. Sinon, oh, ouais. Il est là? Il est où le ministre? Monsieur le ministre? Oui, quoi? Ah, il y a monsieur Jagger, je le fournirai. De la BA. Est-ce que par hasard vous voudriez le voir ou je dis que vous êtes pas là? Bah attends, faut que je croche mon véhicule, donc ils sont oubliés de me dire. Est-ce que vous voulez parler, que je recharge? Ouais, tu peux le ranger à côté. Je sais pas s'il veut nous recevoir ici ou nous recevoir à la prison, à voir. Je vais acheter les coups de l'envoi, j'ai un peu que je devais aller à la prison. Tac. Ah. Je mange du gâteau, hein, désolé. Pas bon. Je peux me rendre directement à la prison. Désolé, je mange du gâteau. Hein. Yo Teko, comment tu vas? Qui c'est qui dit ça? Hein, c'est un mot qui vient de dire ça là? Qui c'est? C'est vous qui avez sorti main sur la tête tout à l'heure là?
Non. Bon. C'est quoi ce bordel là devant là? Ouais. Ah d'accord, ok. Non, c'est pas chez nous non plus. Si pour info, c'est les vendeurs de savon. Ce qui... ouais, si vous avez 5 petites minutes à nous consacrer. Bah là, actuellement. Dédé ouais, moi j'ai un problème là. C'est quoi? Attends, attends. À droite, j'ai des emmerdeurs à gauche, j'ai des emmerdeurs au cul. Quoi? Et en plus, ma police en peut plus de voir des emmerdeurs. Donc j'ai des emmerdeurs un peu partout. Alors effectivement, dans l'hélico, il y a sniper, gilet pare-balles et compagnie. Le mec a le chapeau, il m'a tout dit. Ouais. Et en plus de ça, il a essayé de refuser le contrôle. Il a essayé de s'enfuir dans sa voiture, devant la BA, avec 10 flics autour de la bagnole. Ça ne l'a pas dérangé de faire marche arrière. Hein. Ok. Ensuite, il y en a un qui a insulté un officier de police. Un brigadier, je sais lequel. Il a insulté, ferme ta gueule, machin et compagnie. Donc, ok. Ok, ouais, complet. Et là, ça continue à faire la forte tête. Et ça discute dans une langue étrangère entre eux. Je vous rappelle dans 40 minutes. Donc vous vous imaginez parce que comme vous ramenez un ou deux camions de cocaïne à la police, vous êtes au-dessus des lois. C'est bon, taisez-vous. Y'a pas quelque chose à dire. On attend tout ce qui se passe. C'est bon, on est là. C'est toi qui fais les conneries. C'est pas nous qui sommes pris de garder le silence. C'est où que ça parle là? Tout à l'heure, c'était tout à l'heure sur le tarmac. Nous, si on veut garder le silence, on a le droit. Pendant le contrôle. Si on veut, si on veut parler, on parle. Dans mes droits, j'ai le droit d'avoir. Attends, je bloque notre grand patron. Bon, c'est qui a un problème là-dedans? Bah, je crois qu'on en a. On veut le savoir pour qu'on les arrête. En fait. Qui c'est qui a un problème là-dedans là? Moi, c'est dans le bâtiment. Là. Et c'est quoi ton problème? Bah, pourquoi on m'arrête alors que j'ai juste un sale couteau pour pas acheter à l'armée civile? Hein? Et pourquoi tes collègues ils ont des trousses à outils noires, leur sac à dos et des armes et des chargeurs? Bah, c'est leur problème ça. Ah, bah ouais? Non, c'est un problème de secte en fait. Il est où le gros là? Il est pas là. Ah, bah quand le chat n'est pas là, les souris dansent les gars? Ouais, alors c'est simple. Ouais, c'est ça, ouais. Alors déjà, toi, t'es pas en position de me parler, d'accord? Donc à partir de maintenant, il s'est vu avec le ministre, les gars, vous êtes une organisation criminelle. Quand on torture des civils, d'accord, sur l'île, lorsqu'on fait de la drogue et lorsqu'on a des armes, ouais, exactement, exactement. Vas-y, tais-toi. Ok, bon, c'est quoi son nom, lui, là? Lucifer, ok, je reviens. Ouais, reviens à l'écart. Vas-y. Ah oui. Ah oui. C'est bon, on s'en fout. Comment pour ce peu? Comment pour ce peu avance? Je suis en train de se taper tout seul. Vous êtes toujours sur le cap de la sec? Calme-toi. T'es menotté, tu vas casser les gueules. Vas-y, arrête-toi. Ah, démenote-nous. Mais si je te démenote maintenant avec ton équipement, bien sûr que tu vas faire le malin. Bien sûr que tu vas faire le malin. T'es là, non. Vas-y, ta tête est libre. C'est facile d'arrêter des gens qui ont un accord, qui sont pas armés et tout ça. De quoi on est bien d'accord, donc ta tête n'est pas démenotée, tu peux te mettre. Est-ce que c'est l'alcap blanc qui perd l'alcap de nuit? On est bien d'accord, voilà. Maintenant, t'arrêtes de t'énerver, tu te calmes. Bon, les gars, vous êtes une famille rebelle. Essayez peut-être de communiquer par message, je suis un peu trop loin. Vous avez un accord avec un ministre, d'accord? Ouais. Vous ne respectez pas cet accord? C'est votre problème, c'est pas le mien. Vous êtes porteur d'équipement complètement illégal. Donc, mais c'est trop tard, je viens de lui parler. Donc, du coup. Vous respectez pas cet engagement. Vous êtes en possession d'armes et d'équipements illégaux. Vous passez avec un hélicoptère armé ce que vous faites. Vous torturez des civils. Vous faites de la drogue. Donc, effectivement, à partir d'aujourd'hui. Tes collègues, ils nous ont laissé passer sur la drogue. Ouais, mais c'est trop tard. C'est fini maintenant. Donc, maintenant. Un civil qui a déposé plainte contre vous. Ah bah bien sûr. Mais des preuves, on a vu son corps et c'est pas. Je vous explique, si jamais on ramène le civil que vous avez torturé et que vous le retrouvez plus tard, bien évidemment. Donc, est-ce qu'à part ce monsieur, il y a quelqu'un qui a un autre problème avec moi ou pas? Ouais, moi je suis canal 3 les autres. Ouais. S'il vous plaît, moi. C'est quoi ton problème toi? Celui avec ses gradés. Hein? Ah d'accord. Ok d'accord. Bon ok. Donc maintenant, vous avez fait les photos? Vous avez tout fait les gars? Moi non, c'est
me dit que quelqu'un est le faire. Pas, c'est les autres, je sais pas, je comprends pas. Voilà. Les autres qui le font, nous on s'occupe de les garder en... Pourquoi, ok, chargeur. On s'est passé avec de la drogue alors que c'est... on avait pas le droit. J'ai envie de savoir, en fait... T'es chef ou pas? T'es chef de la secte, toi? Peu importe. Non, 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 t'es chef de la secte ou pas, toi? Non, bon, bah alors t'as pas à savoir. Ok, vas-y, nice. Ouais, nice, ouais, exactement. Ouais, ok, fais le malin, toi. Ouais, exactement, je vais faire le malin. C'est toi qui vas plus faire le malin. Ouais. Ok. Chargeur. Et moi, j'ai quoi? Chargeur. Non, mais c'est le même groupe, les gars. Johnny 3 poils. Ouais, les gars. Gars, vous pouvez arrêter juste pour trouver son blaze. Donnez deux. Qui a donné les ordres? Oh merde, putain, merde. D'accord. Tiens, bon. Le deuxième, il va arriver, gars, tu vas voir. Du coup, c'est bon, je dois envoyer le message. Ah ben, il est là. Il y a qui veut être là. Gradé. Ah, ça tombe bien. Vous êtes gradé, vous, monsieur? Non. Non. Sympa. La façon dont vous avez parlé, c'est sûr que ça va y aller. Attends, ouais, t'attends. Bon, ok. Ouais. C'est compliqué, hein. Je sais pas ce que t'as fait comme accord avec eux, mais c'est compliqué, hein. Non, non, c'est caduc. Colonel. Oui. Il y a un individu qui veut absolument parler en gradé. Vous savez, le type d'individu qui est là. Je ne dirai rien s'il n'y a pas de gradé, blablabla. Bla, bla. Et vous pouvez le taper une fois qu'il comprenne. T'en mode tes habits. Attends, excuse-moi, je suis en train de... Prends mes habits. Attends. Tiens, Dédé, c'est pour toi. Je peux passer en MMS. Voilà, t'es gradé maintenant. Ouais. C'est pas l'île pour cover l'île. Hein? Ouais, écoute, je t'envoie en ligne. Actuellement, le monsieur a fait une observation, mais il retourne vers la prison. Est-ce qu'on a l'ordre de abattre? Je sais pas du tout, je sais pas quoi. On m'a demandé à quelqu'un d'autre. Bah, ceux qui sont à la BA, là, demandent au ministre. Et ça, je comprends. Bah, oui. Je demande à la BA. Honneur pour Dédé. Transmet. Excusez-moi. Oui. Transmet. Transmet. Du coup, il y a les deux L4CPA qui ont fait la sommation. Ils décident de ne pas s'arrêter. Ils demandent si jamais. Sommation. Sommation. Oui, affi. Faites votre boulot, les gars. Vous faites votre boulot. Ok, vu que ça. Faites vos boulots. De coup, de Ramsey, est-ce que quelqu'un peut dire à la longue vos CPA qu'ils ont ordre d'abattre L4? Ils ont autorisation. C'est le ministre qui me l'a dit. Du coup, affirmatif, s'ils ne répondent pas aux sommations, vous pouvez abattre. La secte, ça a un contrat avec la police. Et du coup, valide pour Dor. Allez, actuellement, on avait fait des sommations à la prison. Il est parti, puis il est retourné, puis il est reparti. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il doit se rendre? Est-ce qu'il doit se poser? Quelle est la marche à suivre? Bah, soit il s'arrête, soit il se pose et il se rend, ou sinon, bah, vous pouvez tirer. Merci, Matt. On est d'accord que si, pour ça, je là-bas. Affirmatif. Et pas contre la police. Ça, vous demandez à vos collègues. Il y a autorisation du ministre, vous pouvez le faire. Et moi, je te demande à Altice TV d'envoyer un message quand même pour qu'il se pose. Ah, ok, c'est reçu. On a menacé personne, t'inquiète. T'envoies comme message à L4 Blanc poursuivi par le CPA de se poser s'il se pose pas en là-bas. C'est dit? Ouais, je viens de voir. Je suis en train de le dire. Et ça, monsieur, je vous dis, cherche le problème, tu trouves la guerre. Monsieur. Hein? Voilà. S'ils veulent une guerre des narco-trafiquants, ils vont la faire. C'est ça, oui. Les peines ont déjà été mises ou pas? Non, tu... Je suis sincère avec la police. Vous me les emmenez, vous promenez le cas le plus grand, maxi. Seulement un cas qu'on a droit pour un cas. Et vous me les mettez en diamant, fabrication en diamant. Bon, bah ça c'est fait. Il en est où le CPA qui pour l'hélicoptère? Ils sont en train de le traiter. D'accord. J'ai donné le feu vert en tant que ministre, feu vert. Ok. Parce qu'il a dépassé les bornes, il a suivi dans une zone interdite, volant Rasmod. Non mais en fait ils ont cru qu'ils avaient open bar en fait. Ouais. Ok, d'accord. Ça me confirme. Parce que quand je vois un mec meloté au garage. T'as rien qui... Juste pour les véhicules, armes dans... en achat, pas plus.
Ouais, mais ils les ont tous sur eux. J'ai des photos de mecs avec des chargeurs de 7,62 sur eux. Et des trousses à outils noirs qu'ils ont récupéré certainement de la police. Et en plus, j'ai un civil qui a déposé plainte parce qu'on l'a torturé. On va où, quoi ? Merci, Védicard. D'ailleurs, des narco-fricklampes, une sac comme ça, on va pas se retrouver sur lui. Ah ouais, bah problème c'est que le grand gourou il est pas là, donc quand les le chien n'est pas là, les souris dansent. Ouais ouais. Donc là le problème c'est que bah lui il va faire la gueule hein. Ah bah, c'est sa faute. S'il arrive pas à les tenir en laisse, c'est ça. Exactement. Dommage. Je crois qu'on est sur le même... Bon non, pour t'aider. Ah bah, transmets. Est-ce que vous avez encore besoin d'une protection ou pas autour de la BR? Moi personnellement. Bah si tout est traité à l'extérieur, non. Tu es sûr, sinon, que la Viper, on va repartir en patrouille. Bon, pour information, c'est confirmé par le ministre, la secte n'a plus d'accord, ok? Il n'y a plus aucun accord. Ah ouais, ouais, pour vous faire un peu plus de oh putain, merde. Je l'ai fait traiter par les collègues. Ah, mais ça va être traité par les études. D'accord. Qui? Bouge pas alors. De quoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qui va être traité? Ça va en tôle, les gars, ça! Ah allez, ouais. Hop, hop, en tôle! Allez! Allez, les gars, suivez-moi, on fait une minute. Ah non, vous sortez pas pour l'instant. Ah merde, ah. Il était pas allé, sortir, non. Allez, Gaëtan, t'as encore des marshals là pour le transfert ou quoi? J'en ai encore 5. T'en fais pas, ils arrivent. Non, ok, non, ça va. Les gars, contre le mur, allez, ouais, contre le mur, dépêche. Les gars, les gars, les gars, les marshals arrivent pour les récupérer. Yes, on va faire des lingots. Ouais, expliquez la situation de l'Elcat à votre collègue qui parle à mon collègue. Bah, je sais pas, il parle d'un mec. Les gars, du coup, parce que vous êtes en stand-by, aucun problème. Ah, ouais. Parce que je suis coopératif en fait. Alors est-ce, ça... est-ce que je peux boire après s'il vous plaît, vous pouvez me donner un petit parlez un peu plus faiblement par ici. Mais j'aimerais parler à votre collègue s'il vous plaît. D'accord. Ah, attends. Ce que vous avez fait, moi ce que j'ai eu sur radio, c'est que vous avez voulu choper tout le monde, vous avez commencé à poursuivre tout le monde. Vous voyez le problème avec vous, c'est que vous êtes beaucoup trop positif. Attends, je vais te juste remettre la question en place. Vous êtes quoi? Qu'est-ce qu'on a? Comment ça c'est... Mais c'est qui lui là? T'es qui toi? Vous êtes celui que je vais traiter, on va l'emporter après. Vous êtes et pourquoi il vient là? Comment ça qu'est-ce que le groupe, c'est que les marshals ils prennent d'un coup. Ouais, non, mais... d'accord. Nous on est qui? Genre, votre façon de faire les gars. D'accord, donc nous. Non, mais si, monsieur, je peux parler. Si j'ai bien compris. Vous pouvez pas parler là. Nous, on doit te demander. Ouais, normal. Dédé, il y a un problème là encore. Quoi? Ah, ça insulte là-bas là. Ça fait quoi? Comment ça me faire chier? Bon, il vient de me dire trou du cul pour me faire ouvrir la porte. Ok. C'est qui dit trou du cul là? C'est qui parle de trou du cul là? Ah, mais je crois que c'est le civil qui est passé là-bas. Attends. Ouais, tu te fous de ma gueule toi? Juste toi, contre le mur, allez, ouais, contre ouais, le mur, on t'a pas dit de bouger pour l'instant. Ouais, mec, t'as pas compris encore. T'as pas compris encore ce qui va t'arriver toi. Oh, allez, c'est bon, ferme tes dents un peu, tu masses. T'es vrai? Répète, pourquoi je te casse les couilles? Pourquoi je te casse tes couilles? Parce que tu m'arrêtes pour rien. D'accord. Et toi, tu insultes gratos. Et toi, tu insultes gratuit. Je veux savoir il est où le témoin. Toi, tu insultes comme ça, toi. Et toi, tu frappes comme ça. Voilà. Ok. Bah, c'est justifié. Ok. Outrage. Il y a outrage. Jamais tu dois frapper quelqu'un comme ça. Parce que je veux, je passe l'ordre d'ordre. Ouais. Lui, il a pas compris, lui, en fait. Alors attendez, je vous mets juste en pause 2 secondes les gars. Bah parce qu'il s'est fait percuter par un autre hélicoptère juste avant. Channel switched.
Ouais, c'est reparti. Désolé. Dédé ? Ouais. Ministre qui veut te parler. Il a pas. Kaplan, c'est pas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, comprends pas du tout pourquoi on a arrêté parce que c'est juste pour les trucs comme des trousses. Tu Mais... fais un petit brief ? Bon, écoute, je vais t'expliquer un truc. Vous êtes un groupe ? Et tes mecs s'amusent à menotter un mec au garage de l'aéroport. Il y a des hélicoptères ultra armés qui se baladent au ras du sol et qui se posent un peu n'importe où. Je décide de faire un contrôle général des personnes sur place et je me rends compte que vous vous baladez avec des chargeurs d'armes illégales, du 7.62, du 5.56 et des trousses illégales. Alors que votre entretien avec le ministre vous permet de transporter des armes dans vos voitures. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc du coup... Donc, dans le... ils avaient de l'équipement sur eux, ils ont menotté un mec par terre. C'est pareil. Ils ont tu trouves ça normal, toi ? Comment ça ? Ouais, ils ont menotté un mec par terre. Tu trouves ça normal, toi, ou pas ? J'étais pas sur zone, mais moi, je te le dis. Donc, j'ai contrôlé tout le monde et je retrouve dans leur sac à dos des armes, des chargeurs et des trousses illégales. J'ai des civils qui déposent plainte pour torture. Donc, effectivement, je vous interpelle. J'appelle le ministre. Votre accord est pété. Maintenant... Si vous savez pas tenir vos gars, les gars, c'est pas mon problème. Tant pis pour vous. Vous êtes une maintenant considéré comme un groupe illégal. Ok ? Plus d'accord. Terminé. Fini. Vous savez pas dans quoi vous engagez. Mais toi non plus. Et tes menaces, tu peux t'y garder parce que si tu veux encore me faire une menace, vas-y, c'est le moment. C'est pas de quoi on est capable. Donc, tu diras à tes petits copains, le fils de pute et le trou du cul, il a autre chose à faire. Ouais, t'as bien compris. Dis quoi ? J'ai dit, tu diras bien à tes petits copains que le trou du cul et le fils de... Il a autre chose à faire. Non mais, t'inquiète pas. Il est retourné chez lui, je l'ai envoyé dans un avion. Trop tard. Il vient de t'expliquer qu'il était reparti en avion. D'accord, mais que je sache qui c'est qui va avoir son fils. Je dois manger, boire... Attends, Momo, Ramsès, tu peux me le sortir. Bon, il y a encore quelqu'un qui a quelque chose à dire ou pas ? Ça parle pas. Je dois manger, boire. Là, on perd de la okay. Ouais, bah ouais, bah c'est ça quand on fait de la merde, les gars. Non, y a... Allez, vous leur donnez à manger et à boire. Eh, hey, je suis pas Marshall, moi, d'accord ? Eh, oh. Les gars. Allez, voilà. Bon, attends. Ah, je... Oh putain, c'est un truc de fou ici. Mettez-vous contre le mur là, qu'on est à cette place. Là. Là, on fait une partout, ça, c'est comment ? Du coup, non, les gars, s'il vous plaît. Du coup, qui a tâtonné le mec qui est menotté à l'aéroport ? Personne, c'est bien, y'a personne. J'étais là, d'accord. C'était pas grave. Tu veux m'enculer ou quoi ? Je te dis, c'est vraiment. Non, mais y'avait 8 VL et une limousine là, ça doit être eux. Non, il n'y a pas eu de tatane mort. En fait, c'est monsieur, je dois manger, bon, sinon je vais crever de faim. Ce que vous avez dit, que c'est nickel. Vous prenez pourquoi là, attends. On va vous emmener dehors. Bon, bref, ça change rien, les gars. Attendez. Ça change rien. C'est pas de nous. Écoute, moi j'ai des mecs. Écoute, garçon. Moi j'arrive, je vais vous. Putain, mais toi t'as pas compris encore, toi non plus. Quoi, respecte toi, mais toi, c'est toi qui respecte rien. Si tu veux que je te respecte, tu me respectes, d'accord ? Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, moi, je vois un mec meloté par terre et je vois tes gars autour. Tu veux que je pense quoi, moi ? Toi, dans le coin, là, suis-moi. Il était pas meloté, enfin, il pensait que. Si, il était meloté, il avait les armes dans le dos. Bon, ok, bref. Bon, allez, vous allez être transféré par les marshals, les gars. D'accord, tu me mets de côté, à côté de là. Non, je suis là. Je... Alors, la part du pilote, la part du cale blanche. Dans le box. Mais, désolé, mais je pense que vos pilotes devraient faire un stage de pilotage et que vos tireurs devraient acheter des lunettes. D'accord. C'est sympa. Tu le prendre là. Ah ouais. C'est bon. Il boit, il mange. C'est bon. Bon, c'est compliqué là avec eux. Hein. C'est quoi ces Gugus en fait là ? C'est... Monsieur le ministre, c'est normal que vous avez des accords avec des gens comme ça ou comme ça se passe ? C'est grave, la prochaine fois on t'a dit tout. Parce que là, c'est grave, hein ?
C'est grave. Bon, tout le monde a mangé, tout le monde a bu, tout le monde est à fond là. J'ai la tête partout, moi. J'ai mal au crâne, je vais aller boire un coup d'eau, moi. Tu peux dire. Ouais. De quoi? Tu peux dire à CPA de l'autre zigoto là. Il se fout de notre figure. Ouais. Tiens, écoute, Whisky, qu'est-ce qu'il a envoyé à le GIA? Désolé, mais je pense que vous. Oh merde, y'a pas de. Oh là là, je vous jure. Ah, j'ai pas de radio non plus là. Putain, c'est délire. Hein. CPA de DD. CPA de DD. CPA de DD. CPA de DD. Je pense qu'ils sont trop lents pour vous entendre. Transmettez pour moi. J'essaie de transmettre. Ouais, tu leur dis qu'ils doivent abattre l'hélicoptère de ministre. Il vient d'envoyer un message de menace à la police. Après, du coup, effectivement, il y a. Répétez un nom pour DD, s'il vous plaît. Oh putain. Tu transmets à CPA qui doivent abattre l'hélicoptère blanc qui pourchasse. Pas de survivants. Ils sont déjà en cours. Attends, je suis en train d'envoyer un message. DD, encore un message du pilote. Blanc. Ouais, ouais, merci de contacter. Oh là là. T'as encore beaucoup d'essence? Avec un sable. Ok, un smaggy. J'ai grogné parce que j'ai entendu sect. Comme ça, c'est plus clair, les gens. De quoi? Bah, là, j'ai envoyé un message. Sans trop loin, c'est. T'es qui, lui? Qui? On se grogne, je te rappelle, tout ça. Qui? C'est... Ça part en couille, leur truc, là, non? C'est moi. Ouais, totalement, totalement. Ils se foutent de la fille, totalement. Moi, les Gugus, s'ils font trop le show. Personnellement, DD. Ok, c'est bon, c'est bon, j'ai une. S'ils font trop le show là, ceux qui sont dans la cabine, moi je te personnellement, je demande à Whisky de l'emmener dans une petite cellule rouge. Ouais. Toi, ça te dérangerait ou pas, Whisky? Ah non, non, mais je vais faire ça à DD. Et est-ce que je suis le seul à avoir vu un mec menotté par terre? Non, t'es pas le seul. Ah ouais, on est. Alors, d'accord. Soit disons, c'est un mec blessé, qu'ils ont attaché, je sais pas quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, hein? C'est ta photo, je te donne la permission du ministère. Ah là, mais... Non mais j'ai plus qu'une photo, mec. Ah oui. Ah bah oui. Photo, il y a une GoPro. Dédé, j'aime recevoir les messages comme ça. Hélicoptère détruit. Dédé? Ouais. Bah voilà. Qu'on a fait une RPPA ou quoi? Non, c'est l'hélicoptère est détruit. On a été signifié de rien. Non mais ton collègue oui. Et tous les gens qu'on voit sur les ça dans tout le groupe, il y en a qu'un seul qui parlait bien, c'est le gars là. Bon allez, on repart nous. Gale, rébellion, assassin malfaiteur. En fait genre il a rejoint la secte il y a peu et il avait pas conscience des conneries. Allez, on continue, on se casse. C'est vraiment beau. Bon, je bouge, moi. À plus, les gars. Sierra Canachet. Dès que je peux, enfin, dès que... Voilà. On fait quoi, des postes qui sont encore dans le box et qui nous cassent les... Ils sont transférés par Marshall. Ah, oui. Nous, de notre côté, en tout cas, c'est impliqué comme un payeur. Donc, ça fait la semaine 20, du coup, de retard, plus la semaine en cours, là, maintenant. Merde, pas ma bagnole, ça. Mais c'est pas ma tenue non plus, ça. Ouais. De toute façon, oui, voir ça avec vous. Ok, quoi juste, ouais, si jamais vous pouvez... Dédé, tu reçois. Transmets. Canal 6. Si, hein. T'es là? Ouais. Ministre vient de nous dire d'éliminer la source. Quelle source?
la source d'Amber dans les box. Ah ouais, ok. Bah écoutez, bah vous allez, je vous laisse faire, vous démerdez. Faites-vous plaisir. Bah sortez, on est le 4, on est pas trop. Si on sort des sacs, on les capuchonne et on les embarque en hélico. De... Bien pris. D'Apple, je vais sortir 5 sacs. Ok, parfait. Quelqu'un peut me dire combien il y en a des packs exactement, s'il vous plaît? Je vais te dire ça, toi. Je vais vérifier. Quelqu'un me sort un L4 et quelqu'un qui a sa licence. Pas de problème là-dessus, pourquoi pas, mais... Pourquoi vous mettez pas ça dans un camion et boum? Ils sont 5. Bah tu prends un Mercedes là et tu le mets dedans. Vas-y, au pire on met le Mercedes devant l'autre. Ah bah oui, vous mettez dans un Mercedes. Et vous mettez un... Ouais, ça coûte un Mercedes ça. Si. Non bah c'est pas le Ford, c'est chez eux non? Le... Moi je m'en fiche, hein. Ça, dérange... Moi, ça me dérange pas que tu l'emmènes jusqu'à la cible rouge à la prison. Moi, non, non. Ouais. Ouais, bah on va laisser les petits faire. Vous débrouillez. Comme ça, moi j'ai rien vu, je sais rien. Hein. Non, mais là je crois Dédé, ça, ils sont dépassés le plan. Vous n'avez pas vos collègues Non, Dédé. Ouais. Ils veulent, ils sont pas raisonnables. Ils mangent déjà, ils se foutent de notre figure. Ils se foutent ah ouais, de non. Tout le monde. Ils n'ont aucun respect. Alors que l'autre, que Whisky m'a montré, le jeune homme qui était poli, correct, n'a fait rien. Moi ça me dérange pas. Mais si ouais. Fout de la figure du monde. Bon ok, on va prendre l'hélico, on va regarder ça de loin. Ouais mais t'inquiète pas banane. On les met où? Là devant moi. Dans le Mercedes là, que je viens de mettre. A new follower. Salut Xolis, bienvenue à toi, merci de follow la chaîne, c'est super cool de ta part. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord pour les jeux communautaires et également sur YouTube pour revoir les games et les gameplays. Enfin, les lives et les gameplays, pardon, excuse-moi. Sur les mouvementés, j'ai la tête pleine là. Il s'est passé trop de trucs en même temps, je suis désolé. Bon, tous ces problèmes, les insultes. On les embarque dans le Mercedes. In vive Victoria. Je peux sortir une charge. T'as pas accès? T'as accès à la charge ou pas? Je vais voir, je sais pas si. Valide 2 pour Charlie. Les gars, pour les marshals, vous pouvez retourner à prison directement. Peut-être combien de sirens en tout là? Salut! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me reçois? Oh, des mecs qui font la main. Transmet? Du coup, l'N4 a été éliminé. Bien reçu, merci, félicitations, bon boulot. Si on fait du bon boulot. Bon boulot! Vitre teinté là, pour pas les faire bloquer. Oh, compliqué. Tu fais passer la police, on va te la continuer. Pour je pense. Il a de la guerre, il faut de la guerre. On t'entend pas avec l'hélicoptère. Hein, ouais. Parce que bon, tu pourras dire à la police qu'il y a du pour le contraire. Moi, je... Ouais, c'est un peu tendu ce soir. Il y a trop de choses qui se passent, plus les problèmes d'administration. Mais qui insulte, qui se prennent pas pour de la merde. Tout ça pour un jeu, donc voilà. Le mec qui s'est pris un ban est terminé, quoi. D'où le mec qui parle comme ça, c'est parti en cacahuète, leur secte. Ils savent pas jouer, c'est pas bon. Ah bah oui, hein, laisse tomber, mec. Hein. Ouais, le mec. Hein? Oui, t'inquiète. Ah, bah, c'est passé, regarde. Un cancer. Ouais, c'est ça. Un cancer. T'as compris. Non, mais c'est pas un cancer, le mec. Le mec, il est énervé par rapport au jeu, en fait.
Mais pas du tout. C'est même pas un l'énervement RP. C'est le mec derrière son écran qui s'est énervé et qui s'est permis d'insulter tout le monde en fait. Je lui ai laissé une chance en plus. Je lui ai laissé une chance. Ben non, je le banne direct. Donc voilà, il est ban du jeu, définitivement du CR. Mentalité incompatible. Ah, fille. Pour une fois que c'est pas moi qui déclenche sa charge. Et je suis colonel maintenant, je peux plus me permettre. Oh merde. Pète pas avec. Par contre, faites ça discrètement les gars, personne n'a rien vu, faites ça dans un endroit Bah c'est tous les cancers de la secte en fait qui ont explosé. Ouais. Voilà. Il n'y a pas le choix. Il y a trop de risques RP et HRP, méta. Voilà. Donc du coup, on va régler le problème RP. Et après, on va régler le problème sur... Hein? 5. Si, je les aime bien. Ils ont fait de la merde. Et je les ai prévenus. J'en ai parlé avec Alex sur le TS. J'aurais dit que faites gaffe, les gars. Quand les chats n'est pas sur les dents, c'est moi, je suis super chiant. Ils sont au courant. Moi, je tiens les mégas. Eux, ils tiennent pas à l'heure. C'est pas mon problème. Ça a été prévu hier déjà. J'aurais déjà dit que leur accord, bah, je le ferai péter. À la moindre occasion. Et c'est le cas. Vous allez où là? Ah. Spar 16, après la scope en 6 et demi. Je vais peut-être me mettre la M249. Je vais essayer de voir ce que ça vaut. Ouais. Je sais pas. J'ai pas encore essayé. Je peux pas te dire. Allez-y, je suis prêt. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est bon, les gars, on n'est pas là pour faire une scène de cinéma. Hein. Non, c'est bon. Faites pas trop les trolls autour, allez poser la charge, faites péter vos leur dites adieu. Précisez bien que toutes les informations ne pourront plus être utilisées. Ok, il y a un hélicoptère qui arrive sur vous les gars. Ouais.
Attendez, attendez les gars. CPA de... Appelez CPA là, pour les Wingburn. HRP, il a utilisé le losange. Il est où? Juste derrière, contre toi, parallèlement. Et. Ouais. Ah, c'est bon. Il est toujours en hauteur. Oh, 500 mètres. CPA, vous êtes là? Allez, j'ai besoin de vous les gars sur les Mingbird là. Donc ça fait partie des PAX. Donc CPA c'est un Hemingbird de blanc avec Pax pantalon vert. Donc les mêmes Pax que... Bah il fait partie de l'action les gars. Bah du coup on avance. Ah bah oui. S'ils comprennent pas. À ma droite à peu près le long de la mer. Dans ma lignée. Au-dessus de la terre ferme. Ouais. Toujours tout droit. Ouais. Un petit peu à gauche. Un petit peu à gauche. Voilà, il est là. Allez, faites votre boulot, les gars. Ah merde! Bah, du coup, vous m'avez pas attendu, les gars. Ah ouais, c'est normal. Allez, vous vérifiez que tout est mort. Et vous rentrez. C'est reçu? Vous vérifiez que tout le monde est mort et vous rentrez. C'est reçu? Bah ouais, parce que là, je pense que ton accord était pas terrible. Hein. C'était une source en mer, ton truc. Hein. Bah non, ils font de la merde. Hein. Ils ont fait de la grosse merde. Donc, tant pis. Maintenant, on sait que la secte font de l'illégal. On sait que la 7 fait l'illégal, torture des gens et on désarme, donc on peut les considérer comme menaces. Terroristes, exactement. Ouais. Voilà, voilà. Bah, de rien. Bah, allez, va voir Bubblegum. Bah, allez, ça marche. Bonjour à Bubblegum. Bah, allez, à plus. Salut, Mario. Ça va ou quoi? Très bien, toi. M'en fous. D'accord. Oh, Morgan, c'est un problème. Moi, j'ai connu une Clara. Clara Morgan. Oh non. Ah ouais.
Allez, viens. Vas-y, viens, Kiri. Rentre. Allez, viens. Tiens, monsieur le ministre. Gaëtan. Viens voir, s'il te plaît. Tiens, tu vas me dire... tu vas dire au ministre que tu t'es bien fait torturer par la secte. C'est bien toi qui... Alors, c'est le ministre de la Justice. Voilà la victime de la secte. C'est lui qui a été torturé. Ouais, bah oui. Ouais, t'inquiète. On le garde sous anonymat et sous sécurité, identitaire. Ok, ça marche. Ouais. Je sais pas. Téléphone. Besoin de vous. Sécurité civile. Bonjour. Besoin de vous à la BA. Merci. Ok, ça marche. Pas de soucis. Ouais, on fait comme ça. Allez, viens avec moi. Ah non, mais non, vas-y, va boire un café avec lui. Vas-y. Ah ouais, ah, c'est vrai que c'est Bubblegum, toi. Allez, viens avec moi. On n'entend pas la voix. Ah si, t'entends les voix. Ce que vous faites, vous prenez au pire, vous avez... Compliqué ce soir, OBS, hein. Allez, viens, on va brancher. Valide pour DD. Transmet. Ah, j'ai pas de longue. Tu l'as là, là. Ouais, t'as fait donne des clés au pire. Contactez CP Alid, dites-lui que j'écoute. Enfin, tous les deux, au premier assist. Je vous donne la plus proche. Ah, tu vois ça? C'est où? Syrah? Contactez en longue CP Alid, dites-lui que j'écoute. Syrah, pour CP Alid, t'as l'écoute. Bon, je suis sur la coque, les gars. Est-ce que vous me recevez là, Dédé? Ouais, je te reçois. Oui, je te reçois, transmets. Je te reçois, transmets. De quoi? Tu peux réitérer ce que tu viens de me dire? Qu'est-ce que tu voulais? Tu m'appelles sur la longue? Vas-y, je t'appelais sur la longue pour te dire que j'ai ton pack dans mon hélico. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Marshall! Bon, la sécurité civile qui a été auscultée. Ouais. Donc, tu vas présenter toutes tes blessures, on vendra un certificat médical. Ouais. Et après, voilà quoi. Tu veux un café ou quoi? Ou un coca? Non, c'est bon, non. Mais j'ai rendez-vous ce soir avec leur chef. Avec qui? Avec leur chef. Ah bon? Ouais, j'ai dit que j'étais intéressé pour un recrutement, etc. Ouais. Et je vais demander quel type d'opération ils ont fait, etc. Ouais. Et mais tu vas pas rentrer chez eux? Non. Ah oui. Je vais prendre des noms, tu vois. Ouais. Je sais pas si vous avez des noms. Vous. Par exemple, le chef, je sais pas si vous avez son nom. Oh là, on a le chef. Là, je peux pas te dire ce qu'on a. Là, j'ai pas mal de monde déjà. Ouais. Donc. Je vais essayer de prendre des infos et je vais regarder. Ouais. J'ai pas mal de monde parce que j'en ai envoyé pas mal en prison. Ok. Voilà, parce qu'il y a plus de... Ils ont chié dans la colle, en fait. Ouais. Force de torturer des gens et de menoter des gens. Allez. Putain, je vais chercher la sécurité. Quoi? Vas-y. J'ai trouvé un arsenal bandit. Oh merde! Si ça vous intéresse, j'ai des masques, etc. Ah si, moi ça m'intéresse. Ouais, comme ça, je peux en ramener si tu veux. Ça marche. A plus, mon soeur. Merci d'être passé. Ouais, il est temps. Le pilote qui est là, celui qui nous a. Ah oui, c'est lui. Hein. Ah, il nous l'a ramené. Syrah, vous ramenez le pilote là-haut. Et genre, penche le plus maximum. Quoi? Le pilote? Ouais, le pilote ouais, qui est dans l'hélicoptère CPA. Bon allez, reste là. Je vais t'amener les médecins. Attends juste la sécurité civile, tu lui fous un coup de défi et il sera bon. Du coup, il est où le monsieur? Il est là.
Écartez-vous, je vais mettre un combat, je m'occupe de lui. Il y a le médic de la sécu. Bon, hey, les gars. Non, c'est bon, je m'en occupe. C'est pour les calendriers. De nous, c'était je m'en occupe. Qui était venu l'autre fois. Ok, on va. Il est où là? Sortez le délico là. Non, mais il avait eu un problème. Ceux qui n'ont rien à foutre ici, les gars, allez en patrouille. Bon, les gars, allez en patrouille, faites quelque chose là, bougez-vous le cul là, je veux vous être des bouches à merde là. Allez hop. Ouais. Le pilote de la Number 20 qui nous a demandé de la battre, il est juste derrière. Ouais, nickel. Bien joué, les gars. Par contre, la sécu, c'était une blague, on a vraiment besoin de vous. Non, t'es en véhicule en premier ou pas, Maxi? J'ai besoin d'un médecin, moi aussi, là. Monsieur? Non, pas pour moi, pour lui, là-bas. C'est pour mon ami. Qui? Ah, là-bas, derrière l'hélico. Grillade de sécurité civile. Là? Ah, parce qu'il sera pour une prochaine fois. Bah, encore, en même temps, il a pas été soigné. Monsieur, c'est trop tard. C'est trop tard, monsieur. Écoutez-vous, monsieur, c'est trop tard. Et les gars, il veut lui parler. Monsieur, c'est trop tard. Ah, oui, docteur, c'est trop tard. Docteur. Allez, enlevez-lui son appareil photo et sa caméra. Allez, docteur, venez, j'ai un client pour vous là-haut. Venez vite. Non, pas la machine à... Ouais, c'est celui qui se trouve à la machine carrée. Enfin, monsieur, j'ai une tension, moi, hein, personnellement. Non, c'est trop tard, ouais, monsieur. Ouais, c'est non, rien. Merci. Monsieur, c'est trop tard. Et prenez attention au niveau du bras gauche. Le ministre vous appelle, il va vous remettre une décoration, je crois. Regardez. Bras gauche, prenez monsieur de la sécurité civile, j'ai besoin de vous là-haut. Désobéissez un ministre. Donc, viens avec moi, Maxime. Monsieur. Mais si, il est là, il vient de parler. Il comprend rien, lui. Allez, monsieur, allez, docteur, venez avec moi là. Putain, il est compliqué, lui. Venez avec moi, docteur. Venez avec moi, docteur. Ici. Docteur. Docteur. Oh, allez, on se casse. On a perdu Apple. Apple. Putain, où est le médic de la sécu là? C'est énorme. Le médic revient. là pour le coup, là c'était la dernière heure. Oh là là. Ah putain, comment il a volé l'hélico toi? Par contre, c'est bien, dans mon sac. Je suis content d'avoir perdu un hélico. Les gars, il est où maintenant? Hein, l'hélico? Il a pris cher à la jambe. C'est l'hélico qui est venu, vous entendez? C'était mieux en fait, les gars. En fait, c'est la valise là qu'il a fait voler. Bougez pas. Il a avancé et il a pété là. Ah merde, il a pété. T'avais quoi dans ton hélico? On peut dire, putain, ça me casse les couilles. Là, mais c'est bon. T'avais combien dans ton hélico? J'avais 320, j'avais 2. Mais estimation, chiffre d'estimation. 600 000. Ok, c'est bon. Il faut juste du. Combien coûte ton aider hélico? Ouais. T'aurais du sang un petit peu pour le ministre. Non, j'ai pas de sang là. Faudra que le doc. Oh, mais c'est qui lui? Oh, il avait des armes et tout aussi lui. Je l'ai déjà dépouillé. Oh, il avait une trousse et tout en plus. Oh là là, les mecs de la secte, ils ont vraiment des trousses et tout. Putain, ouais. Docteur, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, venez vite. Alors ça change quoi? Non, mais... Là, venez, je suis en haut. Venez, voilà, j'aurais besoin d'un certificat médical de monsieur qui est une victime, en fait, du torture. Ouais, il faut que vous l'auscultiez, que vous me fassiez un certificat médical, en urgence, pour la justice. Ah oui, je suis sérieux. Hein. Ouais, vas-y. Là, tu peux surveiller qu'il fasse le certificat médical correctement? Je vous le paye. Il est où le numéro? 15 000. J'ai tout levé et je commence à voir noir. Je m'occupe de vous dans un instant, monsieur. Non. Je vous mets une petite morphine, monsieur le ministre. Vous allez vous en faire tranquille. Non, faut que la sécurité civile pas nous réparer. Ouais. Briser les chefs.
C'est à dire 18 et là il vient d'en refaire un quand il s'est arrêté. J'ai couru après, sauf que du coup j'étais fatigué, j'ai pas réussi à rattraper. Ah, un buggy. Ah, c'est l'heure du bug. C'est l'heure du bug. Menace de mort à mon ami. Bon, du coup, il arrive. Allez, voilà, désolé, c'était l'heure du bug. Voilà. Quand j'étais tranquillement. Ah, attendez, enfin, attendez, venez. Oui, je me suis fait capturer par des personnes qui m'ont mis un coup à la tête. Donc je pense que j'ai une marque sur la tête, ils m'ont frappé avec leurs armes. Et il me faudrait un certificat médical papier aussi, hein, pour la justice. Papier, c'est-à-dire, monsieur, vous voulez un rapport. Je vais vous poser une question. Où le rapport ? Bah, vous me l'envoyez sur mon adresse mail. Il est là, mais regardez ce qu'il fait. J'ai pas envie de le remettre par-dessus. Ouais, je suis que recrue, hein, monsieur. C'est pas grave, vous demanderez à votre médecin sous vos constatations. Il me faudra un truc bien détaillé, qu'il a bien eu des hématomes sur la tête, qu'il a un testicule coupé suite à des tortures, etc. Il faudrait faire une lessive, sauf si t'aimes bien t'exhiber. Coupé, bah alors monsieur, qu'est-ce qu'il vous est arrivé ? Alors exactement. Comment tu as fait pour ouvrir le menu pour t'injecter la morphine ? Alors ça, c'est quand t'es médecin de combat en fait, voilà. Ça c'est quand t'es médecin de combat. T'as ce menu-là, quand tu soignes les autres. En fait, tu vois par exemple, pour mon collègue, tu vois. Hop là, ouais, j'ai l'état de mon collègue. Ils m'ont tapé de nouveau avec des sniper, sniper, etc. Oui. Après, ils ont sorti un couteau. Et il y avait une personne qui torturait des gens à ma droite. Ah, vous pouvez voir les deux francs. Il y avait déjà une collection. Merci. Et du coup, maintenant. C'est normal qu'il y a des mecs qui font. Ils gardent du corps là-devant, là ? On est devant un commissariat ou on est devant la loge de monsieur qui est important là ? Jusqu'à un monsieur qui avait fait un excès de vitesse. C'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, il était devant, là on s'en va, moi je prends en fin de service. Mais ils ont piqué là. Merde, j'ai plus de. Faites les gardes du corps là, messieurs. Vous avez peur de. Tu peux m'envoyer ta carte, s'il te plaît, aussi. Oh, mais Dédé ? Mais tu m'as enlevé tous mes pansements et tout ? Bah non, c'est ma tenue en fait. Et toi, t'as la mienne. Quoi ? Moi j'ai la tienne et toi t'as la mienne. Et comment t'as fait ? Bon, merci, regarde, merci. Prends la mienne. Et t'as fait pour faire ça ? Ah. Il a pris la mauvaise. Mais... Bah voilà. Y a pas de magie. Non mais moi j'avais pas de solution saline. Bah c'est pour ça que je te dis, t'as la mienne et moi j'ai la tienne. Ah, oh, j'ai des balles de 762, qu'est-ce que ça fait là ? Cette solution au cas où. C'est bizarre tout ça. Et on bouge ? Bah allez, on bouge. Allez, on bouge les gars. Sirène d'école. Sirène d'école. Ah oui, putain, il reste plus que lui. Et on va sortir notre duel. Bien vivu, on sort notre duel par contre. On va pas se mettre tous dans le même truc. Ah si, on se met tous là-dedans. Tiens, mais... Non, les gars, c'est de la place, c'est pour ça. Il reste 20 minutes. Un nouveau follower. Salut Nicolas, bienvenue à toi. Merci d'avoir fait la chaîne. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord. On est plein là. Et sur YouTube. Merci à toi d'avoir fait la chaîne, désolé. Moi je te laisse. Bon ben voilà, ben j'ai crash. Bon, on va mettre fin au stream, hein, c'est pas grave, hein, j'ai crash. Bon ben merci à tous d'avoir été là ce soir, encore très nombreux. Très très nombreux encore. Alors je remercie tout le monde, hein, comme d'habitude. Merci Matt pour tes beats, merci Stevers pour des beats aussi. Merci Forestier d'avoir follow, merci Yakari, merci Octavia pour ton abonnement et ton follow et ton don. Merci, merci Matt, encore une fois pour tes beats. Merci Xolix, merci Nick
que Zola. Merci à tous d'avoir follow la chaîne, merci de vous avoir abonné, merci d'avoir été encore très fidèles dans une soirée un petit peu mouvementée mais dégueulasse de la part d'un groupe rebelle où je vais régler le problème. C'est pour ça que je mets un petit peu fin au stream un quart d'heure, 20 minutes avant pour que je puisse régler ce problème là rapidement. Merci à tous encore d'être très nombreux et de plus en plus nombreux. Merci de votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous comme tous les soirs, 20h minuit, sur Springfellow TV pour le live habituel. 20h minuit. Merci à tous. Bonne soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de follow la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Discord. Bonne soirée, bonne nuit. Sortie couvert. À demain, 20h minuit. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfellow TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.